Plaisir de le revoir. Mi boulanger. Tu l'as Je vu? suis parti. Il a pas supporté la Ah, je t'ai pas pression. entendu, Je sais boulanger. ce que je dirais sur son Est-ce que stream, on c'est va moi? Allez, voir. silence les gars. Ou est-ce que c'est moi? Faut que tu augmentes ton son, boulanger, par contre. J'ai fait exprès. Mais j'ai fait exprès, j'allais pas le mettre en cri. Il faut le mettre au plus fort possible. Mais ouais, attends, tu le fais pas, hein. Ah bah les gars, je crois Poli, bien je crois t'as qu'on pas peut la bonne décaler sur la tenue. droite. T'as pas la bonne tenue, Poli. Faut le gratte devant. Faut le gratte. Oh bon. Ensemble. Garde à vous. Oh, il est beau notre cipel. Oh putain. Ah, salut Coste. T'as les 8, ils sont plus que Popo. nous, quoi. Salut Coste. Bonsoir tout le monde. Donc j'espère que vous allez bien. Donc comme vous pouvez le voir ce soir, ça va être moi qui remplace, enfin qui vais superviser la mission. Pardon, la mission. Vu que le commandant et le lieutenant ne sont pas là. Donc ce soir c'est bien PVP, je pense que tout le monde est au courant. Ok, parfait. On va passer du coup aux promotions, donc les petites médailles. Enfin les petites médailles, la petite médaille du coup. Donc du coup ce sera bourré. Qui se voit délivrer la médaille de bronze pour les 400 points. Félicitations, bourré. Félicitations, félicitations, félicitations. Félicitations. Ensuite, en promotion, on va passer aux promotions. Et là, nous avons le cadet Monceau, barbe et fort qui passe matelot. Félicitations. 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 Il se verra Bravo, du John coup Wayne. remettre le béret vert. Hein. Donc, les trois que j'ai cités, avancez-vous, s'il vous plaît. Passe au second maître. Enfin, des qui peuvent se mettre là, c'est bien. Bonsoir messieurs, vous avez gagné l'honneur de porter le béret vert. Portez-le fièrement. C'est pas les valeurs que vous avez inculquées. Félicitations. 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 Vous pouvez les applaudir. Hein. Ouais. Pas faire beaucoup de bruit. Hein. Il faut partir de la famille maintenant, c'est bien. Bravo John. Vous pouvez disposer. Qui c'est qui a dit bravo John? John, oui. Et les cons qui a dit ça. Ok. Sur ce, nous avons un petit exposé. Est-ce que qui c'était déjà pour l'exposé? Aïe. Aïe, c'est pas là. Ok. Est-ce qu'il est là ce soir? Ok, grave. Tu peux du coup nous faire ton exposé. Je m'avance. Tu peux t'avancer ou oui, tu peux t'avancer, oui. Oh, t'as vu que ce n'est qu'il est gueule de noir. Alors, du coup, je vais vous parler d'Albert Marius Gray. Il est né le 13 octobre 1921 à Saint-Paul-de-Mons. Au niveau du démarrage. Engagé dans la Marine en 1940 et se retrouve en Martinique. Il décide alors rapidement de rejoindre la France libre et part en pirogue avec deux de ses collègues pour rejoindre l'île de Sainte-Lucie. Ils sont récupérés par un cargo américain qui les amène en Afrique du Sud, d'où ils embarquent sur le Queen Mary pour rejoindre l'Angleterre. Là-bas, il est volontaire pour rejoindre les commandos et le badge qui lui est attribué est le 167. Il débarque le 6 juin 1944 sur la plage de Colville-sur-Orne, autrement surnommé Sword Beach. Il participe à la libération de Ouistreham et au reste des opérations jusqu'à sa blessure le 27 juillet. Et à peine rétabli, il participe au débarquement du 1er novembre à Walcheren et quitta l'armée après la guerre, reçut la Légion d'honneur le 12 avril 1986 et décédera en 2003 à Saint-Étienne. Bravo. Merci Greg. Merci. Pour ton exposé, Greg. Merci. C'est pour vous, meilleur. Ok. Donc sur ce... Nous allons commencer à passer au briefing pour le PVP de ce soir. Donc tout sera expliqué. Alors le quartier maître Salin, où est-ce qu'il est? Il est là. Je suis là. Bonjour Salin. Bonjour maître principal, bonjour à tous, ceux que j'ai pas vu. Donc pour le briefing, ça va être rapide et facile. Alors ça sera les forces françaises contre les forces russes. La mission est simple, il y a un convoi russe qui doit partir du point départ sur le nord de Malden et qui doit se décharger au point arrivé au sud.
La mission pour les forces russes transporter 3 de camions de type Zamak. Chaque camion ramené au point arrivé vaut 1 point. Si toutefois vous faites capturer des camions sur le trajet et que les forces françaises les ramènent sur déposer le véhicule sur le milieu est de l'île, c'est les forces françaises qui gagnent 1 point. Chaque véhicule détruit vaut 0 point pour les deux équipes. Si toutefois les deux équipes... S'il n'y a plus de camions... c'est l'équipe qui sera la plus nombreuse au bout d'un temps donné qui gagnera la mission. Supériorité en, on va dire terrestre. Les Russes sont obligés de prendre les points de passage marqués sur map et suivre les routes. Interdiction de sortir trop loin des routes. C'est acceptable dans une mesure de 100 mètres, mais pas plus loin. Après, l'équipe attaquante qui sera l'équipe française a 15 minutes pour s'organiser et choisir sa position d'attaque. Une fois les 15 minutes passées, il y aura un top départ et le convoi russe pourra se mettre en marche. En sachant qu'il y a un hélico de spot chez les Russes et deux BTR de 30 mm. Donc après, à vous de gérer et à vos chefs de troupes de s'organiser sur le dispatch des équipes et tout ça. Non, c'est tout. Il y a des questions. J'espère pas être français. Parfait alors. Excellent. Si, car tu mets ça là. Il y a une question. Pardon. Pardon. Juste les règlements, c'est quoi? Il y a un règlement qu'il faut... La seule règle que j'ai, c'est interdiction de sortir de la route pour le convoi à plus de 100 mètres. Je parle pour les camions qui valent des points. Hein. Les BTR, si vous décrochez un peu des routes, il n'y a pas de souci. Tout ce qui est grenades, etc. Les stuffs sont préfaits, vous n'avez pas de grenades, il y a des fumigènes. Okay. Les viseurs sont imposés. Les chefs de troupe, il y a des silencieux pour tout le monde, aussi bien chez les Russes que chez les Alliés. C'est un peu bidon ça. Après, si vous voulez qu'ils soient enlevés. Ah non, pas de silencieux, sinon tout le monde va se tirer dessus, mais personne ne va savoir d'où ça vient. Donc, Ah voilà, vous avez entendu, pas de silencieux. Vous enlèverez vos silencieux. J'ai une question sur les stuffs. Oui. Est-ce que par hasard, t'as prévu un stuff pour les sapeurs et les voltigeurs avec un lance-grenade, même si c'est que des fumigènes? Non, il n'y a pas de slot voltigeur. Par contre, les sapeurs, vous avez des charges à détonation pour attaquer le convoi. Bon, il y en a chez les Russes aussi, hein. Ça vous sera pas très utile, sauf si c'est pour détruire un véhicule allié, mais c'est quand même là. Ils ont des lance-roquettes ou pas? Et la V, ils ont lance-roquettes, aussi bien chez les Russes que chez les les bordels. Pour éviter de tirer sur les lance-roquettes, c'est fait pour les véhicules. Question. Ok. Et Denarwa. Interdiction, j'imagine, de ramasser les radios ennemis. C'est pas moi qui définis cette règle-là. Ah non, négatif. Non, mais c'est logique. Pas d'espionnage. Oui, pas d'espionnage. Si vous voulez, capturer un mec. Au niveau des respawns. Un mec, une fois parlé, etc. Ok. Mais pas d'espionnage radio, ça c'est trop facile. Par contre. Pas d'équipement russe, comme a dit le PM. Piquez pas les armes, tout ça. À moins que vous ayez pas plus du tout de munitions, que vous soyez dans la merde, vous voilà. Piquez pas d'armes. Ah, que l'arme, quoi, pas la tenue. Voilà. Ah oui, non. La question? Ouais. Au niveau des respawns, ça se passe comment? T'as pas de respawn, c'est une vie. D'accord. Évitez de mourir. Il y a des slots de secours si vous mourrez au début de partie, sans faire exprès. J'ai mis des slots de secours qui sont des fusillés basiques. De toute façon, vu le nombre qu'on est, normalement, il y aura même des squads en rab. Donc, si au pire des cas, vous voulez prendre une autre spé, reprendre la même spé, mais dans une autre squad, parce que vous êtes mort sans faire exprès au début, il n'y aura pas de soucis. Putain, c'est un chien. Il va falloir être concentré, ça joue un peu à mode offre là. Voilà, normalement vous passerez en spectateur et vous pouvez regarder la partie juste après. Tu verras au bout de 5 minutes. C'est un peu grand, je rebondis ça. Là-dessus. Cette partie va être. Ce PVP va être très très intéressant, je pense. Les manches. Ah oui, je vous explique les systèmes de manches. Alors je sais pas les temps qui ont été définis sur la durée de la manche. Même les 15 minutes de warm-up pour les défenses, ça peut être réglé. Mais quand il y aura un temps donné, une fois la manche finie, on change de camp et ainsi de suite jusqu'à que, je pense, le PM, le maître principal le décide que c'est fini. Et si au pire des cas, il le choisit, il y a une mission, on va dire, un peu plus défouloir qui se passera sur la ville de la Trinité, où ça sera juste une capture de zone avec des respawns, et juste, on va dire, pour soudre sur la tronche. À la ce fin, serait marrant de faire que ça. Toutefois, le maître principal le veut. Donc voilà. Répète, pardon. Il y a une autre mission, si toutefois vous voulez, à la fin, pour tendre l'atmosphère, sur la Trinité, il y aura une... Une sorte de capture de zone. Oui, si on a du temps et que... Là, si on a du temps et que. Ils veulent faire un truc en plus, on verra, y'a pas de soucis. Faire que ça. Fini.
Écoutez, je pense que on peut rompre les rangs et on va définir du Sval? coup les équipes. Oui. Avant, j'aimerais rebondir sur le spectateur. Et Rebondis sur remarquez spectateur. ça, j'ai remarqué ça mercredi. Je compte sur vous pour pas tricher et que Ah les oui. morts restent morts, c'est-à-dire qu'ils ne donnent pas d'informations à ceux qui restent vivants. Les gars, on vous laisse, on va dire, l'opportunité de vous offrir, de pas vous faire chier, de vous offrir, on va Pouvez-vous dire, un regarder? beau spectacle de la suite. Donc ne balancez pas, on va dire, des informations, parce que sinon ça on le retire. Hein. Et du coup, vous allez rester sur votre écran à rien branler. Parce que du coup, il va falloir rester connecté aussi. C'est partie du jeu. Ok? Reçu. Voilà, donc on ne touche pas. Tout ça, c'est juste pour le plaisir des yeux. Et comme a dit le second maître Gadou, quand on est mort, on est mort. Même on ne parle pas. Pour ce, on va commencer par définir les équipes. Donc, vu la taille de la grande Kagan. Vu la taille de la grande Kagan, je pense qu'elle va être répartie dans la 8 et la 1. Non. Et après, bah, Non, on sépare pas la Kagan. du coup, c'est à voir. On verra ça avec l'état-major. Ouais. Ils vont diviser Verrons la grande verra et Kagan, c'est le l'état-major grand coup facilement. d'État. Après. Les yeux en paix. Ça sert à rien de vous équiper. Vous patientez juste sagement. On attend le dispatch. Vous avez un flingue ou pas? Attends deux secondes. C'est Hubert qui va faire office de Leclerc ce soir. Enfin, si on peut appeler ça, mais qu'on va être avec parti. Non. L'exécuter. Ah, vas-y. Je sais pas, il y a 30 cagnes, ils sont donc fous. Ils sont devenus fous. Ouais, bah écoute, ah, on ils sont va. tous devenus John. Il est joli ton logo. Ils sont tous devenus John Wayne. Joli ton logo. Il est joli ton logo. Pourquoi il gueule mouche? Hein, sérieux, il est 23. Toi, tu es où? Je mets mes pieds toi, où je veux, bah, mais c'est souvent dans la tu joues gueule. Pas, toi. Tu restes avec moi. Pour parler. Ah bah, je rigole. Pieds, bouge, bouge, moi je vote pour un truc, hein, simplement. Border une d'un côté, ouais, border allez, d'autre, on n'en parle plus. Ça va? Écoute, tu vas avec la Kagan hein et non. ils vont se faire répartir dans les équipes. La Kagan restera la Kagan. Non, vraiment pas. Cachez-vous! Cachez-vous, parlez-vous! J'aime pas les PVP! Attends, j'aime pas les PVP! Je vais faire ça! Regarde Orny, comme ça! Cachez-vous! Cachez-vous! Cachez-vous, pas la grande Kagan! Cachez-vous! Alors tu te pannes la grande Kagan, regarde la grande médicale! J'incarne la médicale à moi tout seul et à Maratch tout seul. C'est la seule troupe à bord. Il veut pas qu'il sépare la grande Kagan. Immédiatement, un peu plus de respect. Hop hop! Voilà! Allez, du courage! Du courage! Du courage! Ça va être nul, mais du courage! Ah, tranquille, Mariaka! Hein? Tranquille, Mariaka! Hein en vrai, c'est pour avoir pu en tâter un vrai en armurerie, c'est plutôt lourd, mais c'est surprenamment confortable en fait. Il a un désert quoi? Gueule, en fait. Ah, on fait chou. Toum. Ah, en pupio, il va te le mettre. Ça, ça va faire un gros boum. Ça va faire un petit. Tu vas me reconnaître de loin quand je vais tirer. Ouais, c'est le calibre de la paix, mon gars. Comment ça, parce que j'ai un petit pistolet, mon gars. Quoi? C'est le calibre de la paix, ça. Ouais. Je crois que je vais rester désarmé dans un vrai film. C'est du gelou. Ah, d'accord. Dans un slot Les je te fous une image de fois en direct. La touche échappe. Vous pouvez voir que dans la barre noire, en plein milieu, tout en bas. Il a écrit quelque part Bay Ligueur ouais. Ah ouais. Ça c'est bon. Ah non, ça dépend. En fait, ça fait défiler en fait les modes qu'il y a en fait, c'est pour ça. On est trois quelque part. Voilà, regardez. Moi je laisse quelque part le signal. Le temps, regroupe-toi avec Bourré en fait pour voir combien on est dans la BG. Parce qu'en fait, quand tu fais échappe, la liste des modes qui sont inclus. On est trois de chaque bordel. Le nom et la version qui arrive.
4 et 3. Bah 4 et 3 alors. Ok. Ouais. Et où je veux bien aller dans la troisième. 1, 2, 3. Moi je veux bien rien faire. On est 4 dans les VU. Avant un transat, un verre de vue. J'en sors rien. Vous avez l'hélico russe. Ils sont plus dégagés. Allez, allez. Mais dégage, dégage. Mais lui va se calmer là. Non mais eux. Vous pouvez vous en servir, mais c'est un hélico qui est fait pour un peu de la reconnaissance. Bonjour. Kuberner, ça gêne pas si je viens avec toi. Pas droit, tout ce qui est thermique, etc. Ouais, ils ont des flingues, les mecs. C'est un M8, je pense pas qu'il y aurait une thermique dedans. Je vais parler des UV. De toute façon, ça a déjà fait les stuffs. Non, mais tout ce qui est drone et tout. Drone, pareil, il n'y a pas de. Jusqu'à ce que Pinelli arrive. Du coup, pourquoi il y a qu'est-ce que vous allez dire? Vina, quelle compète? Ouais, par contre, nous, du coup, enfin, nous, vous, du coup, je vais pas demander votre participation, mais du coup, du coup, on va dire. On a un problème? T'as un problème? J'ai testé ça sur. Je l'avais acheté sur. Sur les King of Z. C'est drôle. Ils doivent aller au point arrivé tout au sud. Ouais, je pense que. Le point déposer véhicules, c'est si on récupère des Kamaz, on les emmène là-bas. Ah, j'avais pas vu, j'avais confondu les points. Oui, exactement. Déposer véhicules, c'est quoi le pour nous, là où on doit mettre vos véhicules si on arrive à les voler. Parce qu'en gros, les Kamaz, faut pas sérieux, boulanger. Donc en gros, si tu. Si tu. Boulanger qui veut noter tout le monde. Tu le chopes. Tu nous observes au loin. Mais note les cartes, ils mettent un coup d'état. Ouais, des menaces, s'il te plaît. Avec les forces qui vous restent. On va être le bordel cette partie. Oh, ça va être bon. Allez, bah écoute, on va répartir les équipements, c'est parti. Et Nasso, j'allais te dire. Y'a Hubert, vous avez appelé Sibyl, 14 mecs, tu veux tout ça? Non, mais Hubert, mais. Là, tu écoutes les Kamaz, c'est quoi le. Ils se font détruire, ok? Écoute ce qu'on dit, enfin. Je peux parler du coup de la fille. Ils se font détruire, puis dans le cercle très fermé de l'aide. Ce qui serait bien, c'est que tu mets un Kamaz au dans le chat. Un Kamaz a été détruit. Tous les chats, comment ça? Ouais, c'est les camions bassés que tu verras. Ah, donc tu vois rien dans tes mains là. Ah, mais tu me pisses dessus, ok. Ça c'est l'objectif du convoi, tu vois. Ok, bon, on va quand même vous séparer, ok. Donc du coup, tu me prends... Il a moi, je vais chercher la une, du coup. Ah non, bon, je veux que tu me... Ouais, si tu vas séparer, je veux que l'un des deux QM... Parce que c'est une nuit qu'ils prennent... Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'ils prennent... Ils prennent deux gars de chez nous, et après, vous récupérez le reste. On se mettra sur des canaux... Bah, tu me fais deux petits paquets là, et je te dirai si c'est bon. C'est pour ça, si tu veux mettre un canal, tu peux faire un canal ou un canal. Alors... Ouais, c'est ce que je vois. Je le vois là-bas depuis tout à l'heure. Quoi, attends, j'ai oublié les radios dans les caisses. Blanger, il est en train de dormir, non? T'es là? Il est là-bas, il s'amuse avec lui. C'est vraiment trop. Ouais, Nérus, je vais te faire un service. Bouge pas. Ok. Alors, du coup, on va se répartir de manière homogène avec la QG. La 55, ça fera ça. Alors, aligne-toi correctement au centre. Tu vas te mettre là-bas. Ah bah oui, parce qu'on n'aura pas besoin de la langue. Boulanger, tu vas te mettre là. C'est comme ça, voilà. Au pire, switcher. Détends, tu vas te mettre là-bas. Je vais répartir les mecs après. Ah oui, c'est vrai. Ago, tu vas te mettre là-bas. Ah, c'est bon. Rousseau, reste à ta place. Allez, plus rapidement, là. On vous attend. Fromager, tu te mets là. Moi, vu qu'il n'y a pas l'aspect voltigeur, est-ce que je peux passer tes là-bas? Essaye de récupérer le sac. Essaye de récupérer la tenue. Est-ce que moi, je peux passer LAB? Ouais, Fromager, sous, il était un monstre. Voilà. Il va être bien, ce PVP. Sinon ça va être compliqué. Hein. Ok, bon alors vous. Oui, il y a un infirmier. Vous l'êtes quoi, russe ou français en premier? Un infirmier par squad. Franchement, ça nous est égal puisque de toute façon on va passer dans l'autre camp après. Donc, vous êtes russe ou français en premier? J'ai des squads de.
6-11 avec le commandement. Bon, c'est plus ça, on peut aller avec la 8. Eh ben tu sais quoi, allez, hop, tu seras... La 1, allez, on va avec la 1. Allez, ouais, tu vas avec la 1, tu vas avec la 1, et toi tu vas avec moi. On sauve avec la 1. Ouais, t'es avec moi. C'est qui, fou. Donc en fait, toi tu vas te découvrir, tu vas te prendre un transport. Ouais, mais pas maintenant, d'abord vous vous réunissez. Ok. C'est moi qui commande. C'est où tes hommes, Jadou? Je sais. Ah, je vous ai fait des sauter. Ok. Du coup. Bon, les. Non, mais me suivez pas comme ça. Non, mais... Oui, déco, Rouko en russe. Ok. Voilà. Arrivo, soutien, le grand infirmier. Alors, t'as fromagé ou pas dans tes. Merde. Nasso. Borny. Il est où, moi? Je peux me mettre en soutien? Est-ce que t'as une SP soutien? C'est qui parle en fait? C'est Boulanger? Oui. Pas de SP soutien pour le moment. Bah, c'est, en fait, il va falloir regarder avec le second maître Gadou en fait, c'est ça. Alors, ouais, c'est ça. Oui. On joue avec la 8, c'est ça? Ouais, c'est ça. Attendez juste que le CIPAL il arrive pour l'SP en fait. Ou le second maître. Je fais sa peur, soutien. Ah, attendez, il y a le CIPAL, on revenait, trop une. Question CIPAL pour l'SP du coup. Comment ça? Ah, ben vous prenez en fonction, vous prenez ce que vous voulez ou alors ce qui vous rapproche le plus de votre. De ce que vous savez faire ou de votre esprit, ok? Ouais, comme okay. D'habitude quoi. Ouais, on se rapproche le plus. Soutien. Bah, du coup, Boulanger, tu passes soutien. Yes! Ok. Ouais, comme d'habitude. Ouais. Ok, nickel. Si imaginons t'es fusillé et que tu sais te servir d'un roquette, je t'autorise à prendre un roquette sur ce que j'ai. Ouais, non, mais par exemple, à Boulanger, j'avais déjà commencé à faire la formation soutien au cas où pour le préparer. Ah, et s'il veut prendre soutien, qu'il prenne soutien, mais bon, ça reste contre nous, d'accord? Oh merde! Et Poli et moi, on prend quoi? Et toi, t'es pas avec Poli, toi, t'es tout seul, t'es avec nous. Poli, il est où? Comment ça s'appelle? Bah, vous prenez fusillé, les gars. Comment ça, il est où, Poli, lui? Il est dans la baie, il est avec la troupe, lui. Oh putain, c'est génial. Vous voulez Poli? Ah bah ouais, bah on m'a pris Poli, quoi. Ah bah, CIPAL, moi j'ai... Désolé. Moi j'ai une deuxième... Enfin, d'anciennement, j'ai SP soutien et médic. Vous voulez que je prenne médic au cas où? Oui, ouais, je graille. Vas-y. Sinon pour le reste, ouais, plus, non. Non, Boulanger, t'as pas de soucis. Non, toi tu seras fusillé, Boulanger. Tu seras fusillé. T'as pas de soucis encore. Ordi, y a déjà Vida. Putain, pourquoi on a été séparés avec Poli? On a été fait toi à gauche, toi à droite, toi à gauche, toi à droite. Puis voilà. Ordi, prends peut-être pas médecin, y a déjà deux médecins. C'est nul ça. Moi je sers à rien sans Poli. Poli sert à rien sans moi. Mais c'est le moment de on va dire d'endurer ça justement. Ah c'est ça, c'est il y a pareil force, vous m'avez pris mes jambes, il y a pas Poli, vous m'avez pris mes bras en plus quoi. Ah ça va, c'est toi la tête quand même, ça va. Ça va encore, il me reste le pénis pour conduire. Ah c'est un gros pénis hein. Sacré pénis hein. Oh, bah, vous savez avec une ficelle ça va bien. Hein. Y a pas besoin qu'il soit grand. Hein. Bon bref, reconnectez-vous les gars s'il vous plaît. Bon, j'espère qu'il n'y a pas de char ce soir. Hein. De BTR. De quoi? De BTR. Tu sais conduire ou pas? Bah ouais. Vas-y, viens avec moi. Ou soit tu vas tirer, je sais rien, je vais regarder l'optique. Pas de soucis. Si ça zoome, je peux toujours zoomer avec ma tête quoi. Ouais, vous aussi, pas faux. Je pars de la route. Ah, regarde, radio. Côté des BTR. On a des radios.
De côté où? Allez, go. Bah, de l'autre côté. Enlevez les silencieux, enlevez les silencieux. Là, vous complétez. Faut que la ligne mette la pompe au silencieux. Non, 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 attends, écoute, tu seras le premier à rager quand tu te feras buter pas en silencieux. Donc, c'est que ça. Une garde de silencieux, c'est ça? Non, non, tu l'enlèves. Ouais, t'es connerie. De toute façon, je sais pas tirer. Ça va m'aider. Allez, mais tu seras dans le char, c'est bon. Vous mettez-vous en position aussi, là, on va prendre le couteau. En position, là. Oh, allez, tu l'as avec moi. Ouais, ça marche. Le cipol il l'a pas dû, mais tu viens. Eh, le pilote là, va te mettre aussi. Moi j'ai, tu veux un assistant? Allez, toi aussi le pilote. Non, à deux ça va suffire. C'est très cher, frère. C'est un français. Très chère sœur. Ça me réunit pour prendre une photo en groupe. Vous regardez le photo là, s'il vous plaît. Regardez tous. Dites amen. Amen. Vodka. Fromage râpé. Vodka. Vodka. 15 euros la photo, avec signature ça fait 30. Ouais, on s'arrange pas. Par contre, personne ne bouge. Ok, nickel. Ouais. On fait juste la radio, vous savez, quand ça t'est fait. C'est beau, c'est bien d'éviter de bouger en fait. C'est bien, Ronny, tu vois, on a le plus cancer du jeu. Ah ouais. Tu passes en mode automatique, tu gauches, tu butes tout le monde quoi. Ah putain. Tu veux tirer ou je tire? Moi je veux tirer. Ah, c'est trop bien ça. Je pense qu'il est important de bénir. Test, ouais, test, s'il faut un deuxième BTR, je veux bien en être. Il y a deux BTR. Ah, donc, même pour conduire, est-ce que les Français m'entendent là? Les Français entendent, je répète, les Français entendent, c'est malheureux. C'est la vérité. C'est malheureux. Bon, ça marche? Ça marche, ça marche. Alors, c'est bon. Ok, et eh bien, allez, ben, on va prendre les véhicules. C'est quoi qu'il faut prendre là? Déjà, il y en a. Déjà, qui c'est qui sait bien piloter les bêtes? Oh putain, mais. Eh ben, tu vois, fromager radio dans les caisses. Toi. Ah, mais. Fromager que t'en as besoin, toi. J'ai pris Randy avec moi. Peut-être c'est un embêtant que ça. Qui a l'air d'être à peu près. Débrouillard avec ses doigts. Il me ferait un sac radio pour moi. Vas-y, dis-moi, machin. Il ferait un sac radio pour moi parce que la radio dans l'hélicoptère est pas compatible avec les radios de base. Assaut. Allez voir dans les caisses. On a des radios. Ouais, 152, ouais. Ouais, mais attends. J'arrive pas, j'ai pas accès à l'arsenal. Windows. Arsenal Windows. D'accord, c'est bon. Attends, mais non, attends, stop, attends. Explique la langue portée, on va même pas l'utiliser. C'est surtout en cas d'urgence. Ah ouais, attends. Mais moi j'ai fait un angle là-bas, regarde dans les caisses là-bas. Mais non, c'est pour Windows, c'est comme Windows. Ah, ça a capté? Ah, je sais pas, mais comment la caisse radio elle est où? J'ai bien regardé. Ils l'ont porté, ils nous ont reçu avec les comportements. On se Windows fromager. Arsenal, ok. Oh, c'est fromager. Bien, bloqué. Ouais, 152. Faut pas le prendre, ah, il faut prendre la 152. Attends, fromager, par contre. Ouais. Normalement, non. Il y a que les longs qui bon, sont. Bon, attends, deux secondes, parce que là, c'est le bordel. Uber, Uber, Orny. Présent. Il est où le mec qui me sert de second là? Ah, j'en ai pas besoin, j'ai dû trouver. Bah, c'est vachement mieux avant de. Enfin, t'es pas précis avec l'autre truc. J'ai pas un second mètre avec moi là? Ah, je le mettrais pour tirer. Normalement, c'est le second mètre Gadou. Il est où? Il est au caisse de munitions. Et je fais ses snitches. Le second mètre Gadou, il est pas. Ok, avec bon, ouais, on y. On y. Enfin, les QM là. Les QM, vous m'organisez tout ça. C'est pas là. Ouais. Il faut. C'est quoi la fréquence? Faudrait trouver un deuxième équipage que serait con d'en prendre qu'un. C'est quoi? Mais on va prendre les deux. Oui, mais on va prendre les deux. Je sais, c'est pour ça que j'ai. Il faut un deuxième. Faut mettre le pilote. Ouais, comme d'hab. Ah non, non, je vais dans le char, je vais te donner la radio, Orny. Ne fuyez okay. Pas, je crois. Du coup, Cipal, vous voulez qu'on prenne quelle fréquence radio en courte pour le premier BTR? Alors, on va prendre. Attends, j'ai juste baissé un peu la. Ils ont des chars ou pas, eux? Baisser un peu le volume parce que là, la langue portée est en train de me défoncer les oreilles. Vous faites quoi? Ah merde! Faut faire comme moi, prendre une courte. Ok. La courte. Quelle radio? Pro BTR 1, Marwal 1.
de courte. Non, il y a pas de maroilles en maroilles. Ah, j'ai pas de courte. Dans la caisse. Windows. C'est quelle fréquence? 252. Attendez, on va faire deux fréquences. Allez, il passe la main. Je suis là. Pour Magé. Donc pour moi, ça va être un bordel. Magé, du coup, vous allez faire des barres ou des blindés ou pas? Attends, faut que je voie ça avec le CIPAL. Mais il y a les deux qui vont partir, c'est clair. Ok, quelle fréquence? On prend la 207 pour rejoindre nous. Affirmatif, on va commencer. Tout ce qui est blindé, on va pas se mélanger. C'est uniquement pour le premier équipage de char, les gars. On est pas tous sur la 207. Non mais c'est pas grave, faut les mettre sur les radios QM, les chats. La France. Radio QM, qu'est-ce que c'est? 201. Écoutez, là c'est le bordel, vous me faites une ligne s'il vous plaît. C'est quoi la consigne? Bah aucune idée, mais moi j'attends. Mettez-vous en ligne. Moi je suis une ligne, en ligne. Putain mais. Orni. Je te dis tout de suite, ça. Ceux-là ils sont assez violents. Ok. Fais juste que tu me donnes un visu approximatif sur les mecs, c'est fini. Okay. Bah t'essayes de pas nous tirer dessus. Ok, donc les QM respectifs, vous faites un pas en avant s'il vous plaît. Quoi? Donc vous vous regroupez avec les QM respectifs, donc en gros les QM quoi, c'est pas faire. Chef de bordée ou QM? QM. Les QM, vu que là y'a pas chef de bordée à part moi. Vous prenez vos gars, vous faites des groupes et après on les repartira dans le char. Pour tout ce qui est radio, vous attendez. Ok. Reçu. Voilà. Fromager Orny, vous serez dans le même BTR du coup, donc vous comptez pour un. Moi je suis conducteur et lui il est Uber. Ça va et toi? Ouais, bah. Écoute, t'as pas poulie quoi. Non, sinon tu vois, on serait mis chacun dans un char. Il faudrait que faudrait former un deuxième équipage qui accompagnerait le convoi de véhicules et nous on sera à côté. Je suis chaud. On t'a dit d'avancer malheur? Ouais, mais on va. Mais je veux juste dire. Retourne à ta place. Bon, je vais dire, on va diviser la 8 en 2, tu vois ce que je veux dire. Mais il faut faire le deuxième équipage du char, donc faire les deux. Ouais bah écoute Orny, essaye de trouver un deuxième équipage parce que moi je les connais pas les hommes. Je sais pas lesquels sont des abrutis ou pas. Quoi? Bon oui, qui m'appelle? On m'a dit que j'allais être à l'hélicoptère donc J'ai Bernard, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est on va dire totalement apte à conduire? Moi. Ouais, tu sais qu'il y a un deuxième équipage à monter? Malheur, toi tu pourras partir, mets-toi en avant pour le moment. Tu préfères conduire ou tirer? Je suis en train de regarder qui c'est que je m'en fous, déjà je t'en charge, je t'en charge. Ouais, faut en trouver deux, j'ai besoin d'un deuxième pour l'équipage. Je prendrai avec Orny, vu que lui sait à peu près comment ça fonctionne. Mais toi t'es médic, donc il en faut juste deux. Moi je peux, moi. En fait, t'es là. Ok, bah t'es là. Vas-y, je vais t'envoyer deux hommes. Ouais. Je vous propose deux doctrines pour le. Parmi vous, il y en a un qui veut tirer dans le deuxième BTR. Attends, juste avant que tu vois ça avec. Vois les radios. Il y en a un qui va tirer dans le deuxième BTR, sinon c'est moi qui choisis. Ouais, c'est ça. J'ai besoin d'un volontaire pour le deuxième BTR, on conducteur volontaire. Après, on s'arrangera au fur et à mesure. Ok, si t'es volontaire, ben va voir Chauvet, tu lui dis que t'es volontaire. À moi, je veux tous les chefs de véhicule. Être un peu. Pas très très loin du. Fromager. Allez. Ah là-bas. Quoi que... On se fromage. Ah non, les BDR, ouais, mais c'est bon, je suis avec le même BDR que fromager. Les équipages de BDR, allez là-bas. Il y a malheur dans le deuxième. La fort et moi. Et les autres camions? D'accord. Il y a 3 camions. Non, il y a en fait après pour les camions. Tac, tac, touch. C'est combien? Il y a 2 BTR, c'est ça? Ouais, il y a 2 BTR. Il y a quoi? C'est 3 camions? Il en faudrait un par 2 camions. Il y a 3 camions là-bas qu'il faut les transporter. D'accord. Donc il me faut donc vous me désignez au moins 3 conducteurs. C'est quoi les camions? Plus, enfin du coup 3 conducteurs de camions. Il y a du casse en extérieur. D'accord. J'ai besoin de 3 conducteurs pour les camions qu'on doit transporter. Vous avez 5 secondes, sinon je désigne au hasard. Je peux revenir pour ça. Il y a un avant pour ceux qui sont volontaires. On verra plus tard pour savoir qui tire avec ses camions. Quoi? J'ai dit quoi moi? Pas de problème.
Il va conduire le camion pour tout volontaire. Déjà, je suis content. Faut un dernier volontaire. Écoute, on verra si ça dure vraiment longtemps. Tu es fusillé que tu veux conduire. Je compte tirer, tu conduiras. Pas de soucis, on est. Troyard avance. Sur des rangs, Troyard 1. C'est bon, vous avez les deux gus ou pas? Oui, oui, ils sont devant toi. Ils sont devant toi pour manger là. Ok, et ben. Partez allô, dans celui de gauche, monde. Montez dedans, vous suivez le convoi. Tu veux conduire voilà. Ok, ça marche. Derrière le véhicule de queue. Allez, go. Faut manger, tu refais. Faut manger, tu refais. Topo de la tactique. Voilà. Et les radios, ouais, du coup. C'est quoi la radio? La radio, c'est... Ah ouais, putain. C'est quoi la radio, Gado? Mais je monte dans l'hôtel, moi. Je d'organiser les chefs de véhicule, si c'est pas... C'est là-bas. C'est avec les valeurs, toi. Bah ouais, mais il m'a dit que j'étais conducteur. Il a fait ça. Ouais, mais il a dit on vous arrange entre vous. On s'en fout, je sais pas, celui qui veut conduire, qui conduira, on s'en fout de ça. Attends, laisse-moi regarder l'optique. Non, Barbe, il faut que tu montes vraiment. Tu me fais un troisième conducteur là pour le troisième camion. Attends, quoi? Tu veux quoi? Qu'est-ce que je dois. Attends, non, pas non, laisse tomber. Qu'est-ce que je fais moi? Eh, mais tu sais quoi, je vais mettre à l'arrière, je fais pas de. Je suis personne. Voilà, là je suis très très bien. Descends du véhicule orni. Les autres. Ok. Moi j'ai de malheur, je suis dans la radio. Ok. En fait, tu vas pas te chercher le canon, tu vas l'utiliser en auto. C'est simple. Tu veux un canon, j'aime pas cette optique, j'ai horreur de ça. Tira, il est là. Du coup, on est ici. Je vais conduire, ce sera mieux au niveau déplacement. Attends, Gado, on va faire un truc plus simple. On va faire un truc plus simple. On va mettre deux canaux en canal principal, tout le monde sera sur la radio, le même canal. Descends, et toi, tu peux parler, c'est que nous, si pas là, on s'est foutu sur la 207, nous. Deux véhicules. Ouais. Ok, ben canal, le canal principal sera 207. Et... Ah, ok. Comment 207 le canal principal. Ouais. Est-ce que tu sais comment baisser la putain de truc de merde que j'ai sur la tête là? Teste la radio. Bah tu fais cloche shield. Non, en fait ça baisse la visière, ouais, je l'ai fait. Bon monsieur, pour ce canal est un canal primaire, donc tout ce qui est communiqué sont des choses importantes. Monsieur. Pour les équipages de chars, passez la 207 en secondaire et mettez la 76-8 en primaire. Avec les radios basiques. Un sac à dos radio. Test 76. C'est la combien le 76? Ouais. On se. Bah du coup, test 76-8 aussi pour test 27 3 tu m'entends? Moi je t'ai entendu. Test de radio fromager. Mais du coup, on a quelle fréquence? C'est bon, tu m'entends bien? T'as pris quoi le véhicule? 76 combien le char? Bon malheur, tu m'entends? La mission va commencer il y a 2 minutes, tu m'embarques maintenant tout le monde. Malheur à fromager. Voilà, et Roland. Malheur, mets-toi en primaire sur la. Sur la 76-8. Tout en véhicule dans. Normalement c'est censé être la 76-2, mais. Je l'ai pris de façon tordue exprès. T'es bon, tu en sois? Ouais, ça va être notre canal de communication. Ça marche. En gros, nos véhicules vont avoir un rôle différent. Vous allez placer en queue de convoi, et si jamais le convoi commence à rencontrer de la résistance, vous allez débouler par un des côtés en montant le convoi, et vous allez essayer d'identifier et d'arroser les positions ennemies. Nous, on va essayer de prendre des positions sur les collines, et on fournira aussi un appui-feu. Ok, reçu, j'essaierai de rester tout le temps en mouvement pour éviter les roquettes. C'est ça, par contre, si c'est un missile guidé, t'es mal barré. Bah, j'espère qu'il y en a pas. Le tireur, il a des fumigènes au cas où, hein. Après, il peut faire un nuage de fumée, donc... Ouais, c'est des canons de 20 mm. Ouais, bah, encore au pire, je dirais... Ouais, de toute façon, en fait, ce qui compte, c'est d'identifier les LAV, ils sont assez facilement identifiables avec leurs gros tubes, et c'est dépulvérisé. Tu passes le canon en automatique, tu charges les HE. Ils ont des véhicules ou pas? En fait, j'ai pas entendu le briefing. Oui, je crois qu'ils ont des véhicules blindés comme nous, je crois. Je suppose. Ouais, s'ils ont des véhicules blindés comme nous, on est mort. Parce qu'en fait, tous les véhicules blindés qu'ils ont, ils sont résistants de face aux 30 mm. Contrairement à nous qui ne sommes pas résistants aux 30 mm. Ouais, je crois que c'est une passoire notre véhicule, si je dis pas de bêtises. C'est quoi? C'est une passoire. Ce véhicule-là? Ouais, je crois que c'est une passoire, non? Ouais, c'est une passoire.
Du coup, t'as réussi à trouver comment baisser cette merde au-dessus de ma tête? Tu sors la tête et tu re-rentres. T'as réglé ta radio ou pas? Est-ce qu'il y en a qui ont pas, ils sont pas dans des véhicules? Allez. Allez, c'est parti, on embarque. Tu t'embarques où toi? J'arrive pas, je fais comment? Ok, je... Ouais, écoute, tu t'en fous, les grenades ça passe pas au travers. Ouais, mais les balles si, en fait, c'est ça que j'ai peur. Non, pas spécialement. Bah non, j'aurais même pour sortir la tête, c'est pour... Mais je vois rien, je vois que dalle. Je vois juste le truc qui s'est rentré à la tête devant moi. Au niveau de la composition du convoi, on fait quoi? On fait le véhicule? Ah oui, alors en fait, la stratégie, c'est qu'il y aura un BMW qui va faire. Ouais, d'ailleurs, les fenêtres de devant, tu les laisses en permanence fermées. Si sinon, ça ne passera pas là. Je les ouvre pas. Qui va faire le renard, qui va, si on perd un véhicule ennemi, faudra me dire à quoi il ressemble et moi, je pourrais vous dire où l'attaquer. Ça marche. Question. Orny? Ouais, question, t'as quoi comme munition? J'ai deux bombes de 340 sur le... Attends, bouge pas. Fous-toi en conducteur vite fait et laisse-moi le canon, je vais te dire ce que t'as. Je vais mettre ce premier véhicule-là. Tu filmes sur nous? Non, tu fais comme tu veux, tu fais comme tu veux, mais la tactique est comme tu veux. Bah ouais, on nous verra avec la famille. Ok, ça marche. Allez, gros. Ok. Ouais, je fais ça. Orny, ouais. La tactique en fait c'est que tu fais un coup de molette et tu regardes si c'est marqué recharger. Ouais. Et si c'est marqué recharger HE, c'est pour recharger les explosifs. C'est et quand tu vois recharger APDS, c'est les blindés, c'est les personnes, c'est ça? Voilà, c'est ça. Ah, j'ai moi, pas je suis tenté par le canon aussi. Vas-y Orny, grimpe. Ok. Je me fonds conducteur du coup. Le convoi, ouais, reste en conducteur. Et le dernier BTR restera à l'arrière pour un tir de support. Ouais. 76.8. Allez, go. 76.8. Test fréquence fort. C'est lui, c'est lui. Vous êtes sûr? Ah mais non, mais tête de convoi, pardon, non, toi tu fais comme tu veux, et après ce sera le... T'inquiète pas, on fait comme t'as dit, alors avance, tu fais ta live. Non. Mettre okay. Le radio en vas-y, avance. Je sais mettre le radio. Rectification, Gadou, on s'est mal compris, le... La Jeep, la Jeep de route sera la tête de convoi, le BTR de son radio qui est au niveau, lui sera la volante, donc du coup, il sera la... Y'a pas de GPS, c'est une blague. T'as le GPS si tu l'actives. Quoi? T'as le GPS si tu l'actives. Vous suivez le. Vous suivez le, la Jeep. Vous suivez la Jeep. A gauche là. Comment ça t'as pas de. Comment ça t'as pas de. T'as pas de GPS. Mais si t'as un GPS. Le GPS là. Bah c'est pas grave, faites H dans le véhicule. H? L'ordinateur de bord du véhicule et quand tu cibles une pointe ça te dit l'azimut, la distance et l'altitude. Ah non, j'arrive. Qu'est-ce que vous faites là les gars quand même hein? Qu'est-ce que lui là, je comprends pas. Zorni. Qu'est-ce que tu fais en lui? Et les autres, c'est comment je vous commande, moi je suis là pour superviser. Mais non, mais là, c'est... Ah. Ouais, j'en ai pas donné de précis, hein. C'est vas-y, roule ma boule. Hein. Ouais, tu roules là, en fait, tu sais ce qu'on va faire là, on est ou pas? Ouais, on va faire les sports de football. Oui, non, mais là, ta mission à toi, le but de ton BD, c'est que tu fais. Ouais, voilà, c'est tu fais le renard, quoi, tu... Si un blindé libre, toi, tu fais où tu vas où tu veux. Par contre, tu vas où tu veux, mais tu restes pas en plein milieu du convoi, quoi. C'est un peu... Ouais, j'attends juste de prendre la vitesse. Par contre, Orly, si tu vois... Hélicoptère tu de Cipal, est-ce que tu m'en fais? Orly, bien reçu, ouais. Donc... si tu vois des... Fais gaffe, ouvre l'œil. Hein. Si tu vois des véhicules ennemis, ou des ennemis... Dès que t'as commencé à t'écouter, tu me donnes les positions, si on te tire dessus, tu te barres.
Attends, t'es tout seul, il y a du monde dans, dans le truc parce qu'il y avait 250, il y a 250, il y a deux mitrailleuses dans le machin. Bah, c'est le tireur qui a accès au truc. Ouais, mais les 50 des hélicos sont pas très efficaces, hein. C'est très dur de viser avec. Hein. Ok. Donc, du coup, si on te tire dessus, tu prends pas la risque, hein. Tu casses. Le problème c'est vu comment c'est foutu le convoi, ça va les être compliqué. Ouais. Alors les camions, bien entendu, là c'est on va subir une embuscade. Donc repli, regroupement et vous sauvez, on va dire, le plus de matériel possible. Il faut leur en laisser le moins en fait. Il faut la survie les gars, une embuscade, on va subir une embuscade. Donc, ouais, quitte à faire sauter les véhicules. Voilà, quitte à vous neutraliser, on va dire, il faut que rien passe au même ennemi. Négatif, c'est pas gentil de trouver les camions. Négatif, ça serait bien toujours. On a d'ailleurs, il va falloir accélérer parce qu'on a peu de temps pour arriver à l'arrivée justement. Vu qu'on a pris du retard, beaucoup de retard, on a 10 minutes de retard. On doit arriver à 10h20. Mais si pas, ils ont quoi comme véhicule avec en face? Donc, ils ont pas de véhicule, je crois qu'ils ont fait des quads et des jeeps, etc. Ils ont pas de véhicule. Moi j'ai une petite question sur le BTR. Vas-y, je t'écoute. C'est quoi tu fais ça? C'est amphibie? Oui, amphibie celui-ci. Ok, merci. Non, rien. Par contre, il va falloir que tu mettes des micro-pauses quand j'aurai besoin de tirer. Ouais, parce qu'en fait, le problème, c'est qu'il n'y a pas de tourelle stabilisée. Ouais, mais ça, tu m'indiques. Hein, si tu m'adaptes ou quoi que ce soit, tu me dis. En fait, c'est simple, s'il y a un mec qui saute sur la route, tu le roules de sur la gueule. Hein. Ah, bah, c'est toujours bon que je te dis. Bon, moi la dernière fois j'ai fait un drift sur un bot, il a volé à 200 mètres de hauteur. Ah, par contre je dis que je commence à prendre les conneries parce que là... Putain, ça me casse les oreilles, j'entends. Halt au convoi, halt à la toute unité, halt. C'est pas ça? J'ai découvert ce que j'ai entendu là, Gadou, ou pas? Stand by 5 minutes. Toi, tu pensais que t'es en retard, on est parti trop tôt. C'est quoi? Tu pensais qu'on était en retard alors qu'on est parti trop tôt. Là, regarde ta carte fromagée. De quoi? Regarde la carte. À partir du plan de passage 4. Ouais, mais en fait ce qu'il faut que tu dises c'est que c'est impossible de viser avec ça en roulant. Moteur. De toute façon après, on s'en fout, si c'est un gros tard, on peut mitrailler. Je peux recharger les trucs hein. Ah c'est normal, mais il faut pas toucher. Ok. Faudra juste m'indiquer les positions des ennemis, parce qu'en fait le zoom est trop fort dessus. Attention, c'est pas vous avez la tête dans le canon. En fait, il y a très peu de dézoom avec le machin, du coup, en fait, il n'y a pas d'angle large. Ah, c'est vrai. Par contre, Cipal, Cipal ou conducteur, faut fermer la vitre devant. C'est fait.
Ouais, sinon un coup de mitrailleuse en fait, et on peut tous se faire tuer dedans. Conducteur, mais la vitre elle est fermée, non? Non, non, mais j'avais sorti les coutilles pour voir si c'est la même chose que chez les FK. Non, non, en fait, la vitre, ce qui se passe, c'est que pour détruire un BTR, c'est pas compliqué, il faut foutre un coup de 50 de face dans le glacis avant, et en fait, tu shootes tout le monde dedans. Bon, ça en fait, à chaque fois, à chaque training, quand je vois les mecs qui paniquent pour un BTR mitrailleuse, j'ai envie de rigoler parce qu'il suffit juste de foutre un coup de mitrailleuse de face et ils crèvent. L'hélico il va trop bas. T'es expose ou quoi l'hélico là? L'hélico, qu'est-ce que tu fais? Monsieur. J'ai entendu un coup de feu? J'ai quasiment baissé, j'ai quasiment coupé les sons. Français pour russe. Hein? C'est bon pour vous? Ouais. Bien reçu. Coup de feu plein sud-ouest avant. Pourquoi le coup de feu? C'est quoi cette connerie? C'est bon un peu? On est parti trop tôt en fait. Bon allez, j'ai envie que ça fasse comme la dernière fois où on a eu un gros tigre 2. Allez-y, envoyez-nous tout en face. On se pose et on attend que tout le monde arrive à la queue leu. Orny? Ouais. T'étais pas là à l'époque, là où il y a eu un training où on nous a filé un tigre 2? Non. Quand. Hey. Ah, mais c'était quand? C'était le premier. Le premier jour d'émission là? Première mission retour de vacances? Non. Alors, non, en fait, là. À un moment donné, il y a eu un training, un PVP. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'en face, ils leur ont donné masse de Firefly, au moins 10-15 Firefly, et nous, on avait juste un Tigre 2. Et en fait, à un moment donné, il y a 4 Firefly qui nous ont attaqué de face à la file indienne, ça on les être... a enchaînés. Bah, PVP, non, le seul PVP que j'ai fait depuis mon retour, c'était. Russe à l'écoute. C'était 2GM. Nous sommes entre point de passage 2 et point de passage 3. À vous. Bien pris. À toutes les unités, préparez-vous à 55 piles, on repart. 55 en jeu ou 55 IRL? 55 IRL. Reçu, 2 minutes. Alors 22 heures quoi. Même dans le jeu, voilà, 55, même dans le jeu, regarde. Ah, Boulanger, il est en train de hurler là, dans la ralque. De quoi? Je sais pas, c'est sa copine qui me dit Boulanger, il hurle dans la ralque. Alors de quoi, je sais pas. À mon avis, c'est parce que ça fait une heure qu'on a commencé qu'on a toujours pas tiré sur cartouche. Il est pas content, tant pis pour lui, hein. Non, c'est pas ça, à mon avis. Ouais, malheur. Dis-moi, si par hasard un ennemi essaie de s'enfuir avec le camion et qu'on le voit, on fait quoi? On le détruit? Si un ennemi qui s'enfuit avec un camion, on pète le camion, on est d'accord? Ouais. Ouais, je te confirme, faudra le péter. Si vous un ennemi grimper dans un camion et partir avec, je te le dis tout de suite, le camion, faut pas qu'il reparte. Ok, ça va, reçu, on fera ça. Ouais, parce qu'en fait, il gagne des points s'il le ramène, par contre, personne ne gagne de points s'il est détruit. Du coup, vaut mieux le détruire plutôt que de laisser s'enfuir avec. On est d'accord, ça marche. Par contre, s'il y a personne dedans, faut pas le détruire parce qu'on peut toujours récupérer. Mais une fois que le mec, qu'un ennemi s'ébarre avec, il y a peu de chances qu'on le récupère. Ça marche. Bon, il est 55, c'est pas là. En avant pour toutes les unités, on reprend la mission. Parce qu'on est pour en tête le convoi là. Négatif, il y a un 4 et la chute avec
bien reçu, véhicule de cette attention, partez pas trop loin et suivez les environs. Fais une petite halte sur le côté, j'ai envie de voir un truc. Négatif, vous ne suivez pas les environs, mais gardez, restez sur la route, mais gardez les idées ouvertes. Stop. Tiens. Ouais, mais j'ai pas de zoom, alors du coup, c'est un peu la galère. Ouais. T'es bon, tu peux y aller. C'est juste que si je voyais plein de petits bonhommes bouger au loin, j'aurais foutu une rafale. Ouais. Non, j'aurais balancé un coup de 30. Bah, en fait, on a 340 balles et un canon automatique. Hein. En fait, on tape à côté d'un mec au 30 mm, le mec déjà il est en piteux état. S'il est en piteux état, vu qu'on peut pas respawn. Si le mec on rend handicapé avant de commencer. Putain, mais quel trou du cul! Ok, continuez le convoi, le BTR, le renard va voir ce bah, je vous le dis tout de suite, hein, je sens très mal. Hein. Va voir le camion. Il s'est planté où le camion? On avance beaucoup trop vite. Hein. Ralentissez, ça va beaucoup trop vite là les gars, ralentissez. On se regroupe un peu. T'avances beaucoup trop vite, c'est impossible de viser et on va sur des zones où il y a potentiellement des ennemis. Quoi. Bon. Ok, pour toutes les unités, vous n'allez pas plus loin que le point de passage 4. Regroupement là-bas. Et vous faites demi-tour. Hein? Non, négatif, c'est à droite. Mais putain, gros, c'est le. En fait, Gabou, le BTR que tu vois, c'est un BTR qui ne suit pas le reste de vous. C'est plus le BTR. Tu vois, c'était. C'est quoi une phase de vous, là, vous avez essayé de voir. Vous sentez déjà en sur la droite. Mais il est mort, le camion. Il est mort, le camion ou pas? Non mais c'est bon, faut qu'on sorte les doigts du cul là, ça commence à me gonfler ce training. Orny, dis-moi, t'es pas streamer, rassure-moi. Oh merde. Merci. Si, mais t'aurais pu me le dire quand même. Mec, c'était dans sa poussette, donc j'étais le streamer officiel de Zika, donc le petit s'est cassé et je sais plus. Ouais, mais tu sais, quand j'ai une chanson, j'ai oublié qu'il y a assez l'autre déjà. Allez, on reprend la route alors. Du coup, la en face, on se la tape ou pas? Sincèrement, je suis pas tenté du tout. Vous pouvez, pour le véhicule à but de tête, tout doucement, vous pouvez commencer à continuer comme passage 5. Parce que, en fait, le problème, c'est que ce BTR, le moteur est pas très puissant par rapport à son poids. Là déjà faudrait que tu rattrapes le convoi en fait. Là tu rattrapes le convoi en fait. Je me doute.
ton nu, c'est BTR. Ah, c'est bon, ça commence à démarrer. Qu'est-ce qui est légèrement endommagé? Ouais, je t'écoute. Est-ce qu'on peut créer un groupe par rapport aux différents BTR? Non, pas la peine. Parce que sur la carte, les camions ils ont des groupes différents et tout, et je me suis confondu. Je crois que l'équipe 3 c'était un camion alors qu'en fait c'est vous. Non, vas-y, crée si t'arrives pas à te repérer. Bah, du coup, je te laisse créer un groupe manuel. Non, moi je crée pas. Je crée pas, tu crées un groupe BTR2 si tu veux. Ouais. Mais pas Marwal, Marwal c'est Poly Rifer, c'est moi. Ah, mais vous êtes dans l'équipe 3 aussi. On est équipe 1. Vous avez rien vu encore? D'accord. En fait, quand tu roules à moins de 15 km/h, tu vois, c'est encore visible en gros. Bien pris. Les gars, à toute unité, si vous voyez un truc suspect, ne vous arrêtez pas en mode subit parce qu'ils vont comprendre. Continuez votre machinerie, mais vous donnez toutes les informations à la radio. Monsieur? En fait, ce que je crains, Simpal, c'est qu'en fait, ils laissent passer les véhicules de tête. Ouais, je pense à ça aussi. Il laisse passer les véhicules de tête pour s'attaquer directement au BTR, la force de frappe principale. Ce qu'il faudra en fait, c'est vraiment qu'ils ouvrent l'œil et qu'ils signalent vraiment tous les trucs suspects. Une fois que tu passes la colline là, Orny, il faut que tu fasses du tout terrain là. Faut qu'on... Parce que là, je t'avoue, là, on a fait la moitié, presque la moitié du truc. Ça commence à puer un peu, tu vois. Et donc en plus, tu vois, sur une montée comme ça là, qui est bien minérable. C'est vraiment une côte de merde ça. Oh putain ouais, mais aussi il faut des moteurs putain, c'est... C'est n'importe quoi, c'est des moteurs, c'est des fourneaux de plein leurs moteurs là, c'est n'importe quoi en fait. Et les mecs ils mettent des grippins Ça a été étudié pour les steppes de Sibérie, ça peut être étudié pour... Négatif, j'entends pas toi au téléphone, hein. C'est moi je suis un peu sourd. Je vous reçois 2 sur 5. Ok. Quand vous voyez, ça c'est intelligent ça les gars. Quand vous voyez qu'il y a des communications qui ont du mal à passer, celui qui est au milieu il fait relais, bien sûr. Ok Malassa, tu nous mets un point. Ok, repli. Ok, coupe le fromage sur la droite. Repli. Cipal, utilisez la carte de commandement H pour recouper sur eux. Quoi? Guidez le conducteur en utilisant la carte en H. Parce que moi j'ai besoin de surveiller la route. Montagne à droite, on va arriver dessus. Ok, j'ai mis un point, j'ai mis des coordonnées sur un potentiel zone ennemie. Ce que tu vois. Répétez, qu'est-ce qui est détruit? Ok, non, attends, avance, il y a un véhicule ennemi, j'ai repéré un véhicule ennemi juste devant nous là. Intercepté, il est derrière nous, en fait il est derrière. Il prend en tenaille les mecs, il nous encercle. Putain. Attention, je détecte comment ça s'appelle, un potentiel mouvement ennemi qui vient de l'arrière. Attention.
Ok, reçu, stop, halt. Halt. Maria, tiens, Maria. Maria, tiens, tu me reçois? Dis-moi où ils sont. Cours, cours, cours. Boum, comme vert, montagne en face. Faut que tu mettes des points, Marie-Claire, faut que tu mettes des points. C'est vraiment de la merde, ce truc. Là aussi, des lions de toi, Pierre. Eh, mais j'ai l'impression que ça vient à côté, ça vient à côté, le truc à côté. Vas-y, vas-y. Je passe à côté, je passe à côté là. Je passe à l'arrière. Ouais, à droite. Je passe à l'arrière. Ok, qui a le premier? Alors, reste, on a repéré ça. Je vais marquer des points sur la carte. Hein. Je descends là, je me récupère après. On part par où là? Parce que là c'est la sas, c'est la bonne question. Yo bah attends, je retourne. Ordi ? Ouais. Pas trop dégoûté ? Ouais, mais c'était face off crash, je savais déjà. Bah en fait, moi je comprends. Tu sais ce qu'ils étaient ? Tu vois la maison ? Tu vois la maison qui était sur notre gauche ? Il était entre la maison et puis le haut de la montagne. Parce qu'après, mais... après j'étais au sol, j'ai réussi à me relever, puis j'ai vu trois types qui me tiraient dessus. Non mais Ordi, moi je serais jamais approché. J'aurais jamais approché. Bon, après ils ont bien joué leur truc hein, bon, Ouais mais tu voulais que je fasse quoi d'autre mec? Mais quoi? Je pouvais rien faire d'autre hein. Non mais en fait tu vois moi de tout ce qu'ils disaient je me disais c'est pas possible, ils sont je me suis dit putain mais c'est pas possible, ils sont là où on est. Je suis revenu sur le serveur, ça m'a mis je suis dans notre base. C'est pas grave, bah déconnecte-toi, de toute façon faut attendre la seconde manche. Hein. Ouais. C'est ça. Ah, mais je voulais essayer de. C'est quoi le lien de ton stream? Regarde sur. C'est écrit sur mon avatar TS. Non, mais je voulais essayer de respawn. Mais on. Comment dire. Là t'es toujours en Twitch? Ouais. Là je suis en Twitch. Ah voilà, là, on peut voir. Ah, en plus les respawns c'était en mode illimité. Non, c'est limité. Non, illimité c'était. C'est marqué là, remaining respawn unlimited.
Donc on aurait pu se connecter sur les slots encore disponibles en fait. Non non, c'est ce qu'ils avaient dit au début, c'était une vie. Et en fait il y avait des slots de secours si jamais il y en avait un qui plantait. Mais ça veut dire que sur les slots de secours, moi je me suis connecté sur un slot et en fait sur le même que j'avais, puis j'ai respawn au point à la base principale en fait. Ouais mais ça sert à rien vu que c'est un convoi avec des trucs. Déjà t'as vu le temps qu'on a mis pour arriver là-bas. T'as combien de personnes sur ton stream là? Non, 4, mais pas des masses. Hein. En plus, je sais pas qui je regarde, mais la première personne forcée elle a été enlevée. Puisque le mec il joue avec les ongles avec la troisième personne. Ah, putain, ok. Ah merde, y'a un spectateur! Oh, ouais, spectate. Ah merde, si j'avais su, je serais resté hein. Bah tu peux te reco hein. Ah vas-y je me reco direct. Reco et tu ça va peut-être te faire spawn en fait. Et tu crèves en fait, tu fais respawn et tu te mets spectate à la limite. Mais le truc c'est que tu peux pas choisir en fait qui tu spectate. Ok. J'aime pas l'émission d'embuscade comme ça, j'ai horreur de ça. C'est relou. De tir. Mais comment il fait? Il joue au touchpad ou quoi? J'avoue que... J'ai l'impression qu'il joue à la manette Xbox, là. Ouais, c'est horrible. Non, on est en train de spectro, là. De ce mec. Ah mais je peux pas choisir qui spectate. Avec tes flèches, tes flèches. Avec les flèches du Direct Snow. Oh, non, mais il... Comment il fait ça? Le mec, il doit avoir une règle. Et il fait glisser sa souris sur sa règle. Nassau m'a dit, les Russes sont en train de gagner le fight. On est encore 10. Non parce que je crois qu'ils ont ramené un camion, les US, enfin les Français. Ah non, on l'a récupéré. Trop stupide. Ils sont partis avec, on les a mitraillés direct et qu'ils sont partis. Attends, il y a les Français qui sont passés devant lui et tout. Non mais lui il est blessé je pense qu'il est pas genre mort complètement, il est mort en mode coma. Ouais il est en coma c'est ça. Parce que les mecs coma on peut les spectate enfin. Ah Vena qui est tombé dans la petite maison. Et par contre du coup les deux BTR sont morts. Ouais bah le truc pas... c'est que j'ai voulu mettre en hauteur. Et j'ai vu qu'il y avait des tirs depuis le son de la ville qui allait là-bas. Et juste derrière t'as une petite maison. Et vous faites entre la maison et la colline en question, il y avait trois types qui étaient là, puis ça a pris une roquette ou une mine, je sais pas. Ah mais t'as vu? Non, c'était de la roquette. Ouais, là, il est mort. Il est tarpin faible, on s'est pris une roquette, nous, ou je sais pas quoi, et on est mort. C'est normal, c'est un BTR. Nous, c'est pris une roquette sur le côté, et après, par je sais pas quel miracle, je me suis relevé du coma, je vois trois types, j'essaie donc, le temps que je vise, le temps que je commence à tirer, ils m'ont abattu, quoi. Vous m'entendez, là? Motif. Ah, c'était un plan de génie. Hein. Non, mais c'était mal organisé. Enfin, ah, bah, les points de passage. Oh. Les points de passage, je les ai. J'en ai fumé deux et comme la 545. Ouais, t'en as un, il arrive dans la grange, dans ma grange, il dit à ses alliés grange sécurisée, il se fait niquer par derrière. quand je te dis qu'il faut bouger, okay. Faut bouger, on était encerclés, putain. Bah oui, mais si on a un cerclé, tu vas aller où? Mais non, mais à un moment, on aurait pu grave voler leur jacal, leur putain de jacal, on se barrait. Non, mais franchement, leur embuscade, elle était belle. Hein. Et après, le problème, c'est qu'on était trop étendu. Hein. Non, mais le seul problème, c'est qu'ils savaient par où on allait passer. Comment ils jouent, Roélan? J'arrive pas à comprendre. Mais je sais pas, Comment est-ce que vous faites? En tout cas, il a quand même tiré sur des alliés, quoi. Comment est-ce que vous faites pour la vue libre? Tâche du clavier. T'as pas du... T'as la vue du...
Mais il reste moi j'ai aucun gars en fait, il y a personne. Pourquoi moi je le vois la première personne là. Ouais, comment est-ce qu'on fait pour changer de personne? Faites flèche de gauche et flèche de droite et la force ça va changer correctement et vous allez réussir à toucher un mec qui est vivant. Bon, moi si je fais flèche de droite, j'arrive pas à trouver, je trouve que des morts en première personne. Et si bon mais je vais me chier. Trouve un qu'est-ce qui t'est arrivé Mariacha? J'ai voulu tenter un truc et je me suis chié. T'es mort comment? Franchement Mariacha, tes spots ils étaient à chier mec. Ah j'entends plus rien, tout le monde qui parle là. Non je te disais tes spots ils étaient à chier. Bah c'est pas facile de spotter et de se faire tirer dessus en même temps. C'est facile de triquiter hein. Par contre je sais pas, y'a un mec qui s'est pété les deux jambes, mais mec, t'es les deux bras et le torse. T'es dans un hélico, oh, c'est un volant machin. Voilà, on s'entend plus parler là. Y'a que lui en fait. Y'a que toi. Oh la vache. Mais toi en spectateur. Non mais Mariacha, ce que je disais, c'est... Ah ouais mais Oh j'entends tout le monde là, c'est horrible. Mais qu'est-ce qu'il fout Roland? Mais il est con quoi. Même en spectateur. C'est pas tiré. Je sais pas si. Oh la vache. De vrai y'en a qui ont respawn en fait. Il essaie de voir des ennemis mais il en a pas vu en fait. C'est bizarrement aussi je sais pas. Roland qui est juste à côté de notre grange et qui dit aurait... pas mais non mais il aurait pu nous aider quoi, moi je me suis fait shooter par... Ah mais c'est quoi ce bordel, j'entends tout le monde là. Ah, par contre... Roland il a servi à rien mec, enfin je sais pas. Mais qu'il a visuel sur la... J'entends rien du tout, il y a 15 000 personnes qui parlent en même temps là. Déplacez-le. C'est normal, c'est le spectateur. Tu es mort Mariacha, bienvenue. Bienvenue au paradis Mariacha. Non mais putain mais Roel, oh mon dieu quoi. Putain. Enfin, moi j'ai tué deux gars donc ouais j'en ai fumé deux aussi. Du coup on a pas des vivants roquettes. En russe et des vivants en... Ah bah il était génial ce plan. Eh bah nous on s'est fait fumer dans le camion. Alors tu t'es fait fumer dans le camion. J'ai eu le temps de descendre. Salaud. De me faire buter. Il t'a abandonné. Pourquoi on a tout simplement pas envoyé un drone? C'est un truc qui se fait généralement. Bah parce que c'était pas de drone le truc. Genre là il voit pas le camion bouger. Il y a un truc qui a bougé là-bas. Là c'est le camion, c'est le camion. Roland t'es aveugle. Bah d'ailleurs comme à la guerre. Ah mais Roland aussi bizarrement j'ai l'impression qu'il y a qu'un gamepad. Mais non. C'est son M-bot. Non mais c'est vrai. Il a vu. En plus, il a un tir de précision sans qu'il shoot hein. Quand il a tiré dans la maison, il tirait sur des collègues et il m'a dit j'ai pas trop envie. Donc, je suis sûr qu'il joue à la manette. Je suis sûr qu'il joue à la manette. Ah, il va chercher la moissonneuse batteuse. Attendez. Je crois qu'on spectre tous Roélan là, allez Roélan. Bah attends, je crois que c'est intéressant. C'est une game sport. Il y a d'autres vivants mais je le trouve pas, il y a d'autres vivants. C'est un nain qui est boite en plein milieu d'un champ. Ici il y a un nain. J'ai vu un lapin là. Ah non, je pense que Roélan convoite le jacal là. En vrai Qui c'est qui boite M2, qui c'est qui est dans un champ tout seul qui boite là? C'est Bougrain. Je suis mort donc. Oh putain de merde. Bougrain, je me suis fait buter en boucle, ça faisait plaisir. Ouais moi aussi mec. Genre et putain j'ai dû lui péter genre tous les os de son corps mais le mec est resté vivant. Parce que c'est du 5,45. Et bah, du 5, je le répète. Voilà exactement. Ce je qui répète. M'a fait rire c'est le premier maître Oligueur qui rentre à la grange, il dit la grange est clear, la grange est clear, ouais. Il se prend une rafale mec. Et ensuite il y avait un mec derrière qui était dans le mec dans le il bosque, le voit pas mec dans le buisson. En face de lui il y a un gars dans le buisson. Quoi et justement, et moi je me lève, je fais CTRL Z pour lever ma tête et je le fais. Mais non mais en face de Roélan, il y a un mec dans le buisson, il a pas vu ou quoi? Par contre, Guess Next, tu m'as tellement sauvé la vie. Je suis rentré dans la maison que t'as fumé mes dégâts à gauche. Où ça? Non mais je me suis éclaté après mec hein. And it is at this moment. Mais attends. Jackson, you, he fucked up. Et là t'as vu. Non mais les gars, on a mal agi aussi. On aurait dû dire Hans. Non mais mec, déjà on aurait dû sélectionner un itinéraire nous et pas la mission. Mais non mais attends, tu connais pas le coup de la tranchée avec Hans et Pierre? Ah si oui. Avec Hans et Pierre. Tu connais pas cette histoire? Bien sûr. Non. Ça va, tu connais pas? Il y en a qui connaissent pas ici. Moi je connais pas. Bah nous en Alsace les tranchées on les regarde, on rigole en pas dessus. En gros ils étaient dans des tranchées et tout, et il y avait un mec qui leur dit putain tu te fais chier, bah il paraît que tous les Allemands s'appellent Hans. Ah bon? Bah attends, ah, oui il crache dans ses mains, il prend son fusil, oui. Il part ah, au oui. L'échelle, il vit, Hans. Et il crée Hans. Y'a Hans. Et puis il fait Y'a Hans dans la tête.
C'était où ça? T'as vu ça? C'est sur YouTube, tu marques Hans et Pierre, tu devrais trouver. Et après, l'allemand il fait, mais tu savais que. En allemand il fait, mais tu savais que tous les Français s'appelaient Pierre? Alors il monte, il prend son fusil, il est chaud patate l'allemand. Amir. Il fait, Pierre? Pierre? Et le Français répond, c'est toi Hans? BAM! Et hop, là, ah, Roélan il va se faire buter par la attendez, maison. Roélan, Roélan applique la technique. Roélan, on veut entendre. Roélan, Roélan, tu as le droit à la peine d'un ami. Roélan, nous entendons. Allô, allô, tu m'entends? Ah là là là. C'est Roélan, on a des différents, mais tu m'aimes bien. Roélan, t'as le droit au 50-50, c'est pas la maison face de toi, c'est pas la maison sur la gauche. Roélan, tu as le droit au super moite-moite. Roélan, t'as le droit à un verset de la Bible. Savoir que les Russes, ils sont deux, hein. Ils sont deux, les Russes. Alors, je sais pas combien ils sont en armée française, mais ils sont deux, les Russes. Roland, mets tes deux mains devant toi. Ah ouais. Et répète après moi, notre père qui est aux cieux. Alors, il faut pas me lancer dans ce genre de choses. Sanctifié que ta volonté parfaite. Ah, bon, oui. Monsieur, je vous souhaite bon courage pour la suite du PVP. Mais oui, je t'ai vu, t'as survécu, t'étais un warrior, toi. Mais on a. Mais c'était tellement. En plus, on s'est dit avec. Mais Roland, bute-le. Putain, mais Roland, c'est le même truc! Mais il est joué à la manette ou quoi là? On t'a blessé! Ah là là, les tireurs de précision du CK! Il y en a un! Ah, Roland! C'est un mec qui porte un autre mec! Honte à toi! C'est normal! C'est normal, son M-Bot est là! Là, ah là là, il est là! Mais oui, vas-y, putain! Mais qu'est-ce qu'il m'en fout? Je suis à quoi? Je sais pas comment il vit. Allez, c'est fini! Roland qui est utile en tout cas. Ah, son pote. Ah, Bougrain, oui. Bougrain. Mais il ne pas inverser les équipes. Il ne pas inverser les équipes. Oh, il a même pas de viseur, Bougrain. Un manche, victoire des Français. Non, sérieusement. Avec mais un oui. Plan en or comme ça. Un plan en or. En plus, on se l'est dit dans le véhicule. À tous les coups, ça va nous prendre à cette il ville-là. Il guérit ceux qui ont le cœur brisé et ils pensent leurs blessures. On fait la même chose. Psaume chapitre 147, verset 3. Ah, c'était pas mal. Oh, Nat, super bien joué avec les la cagonne là, putain. Putain, bande d'enculé. Ça, le prix de pute de merde. Oui. Ça va les autres là qui étaient en face? Déslotez-vous, allez voir. Bah, je pense qu'on va prendre aussi cher dans le coin. On va prendre aussi cher dans. On va prendre aussi cher. J'ai reculé. Mais faut redémarrer la mission, sinon ça marche pas. Ça va, bah. Ah. Ah, la stratégie de ouf. On inverse les rôles. Et les camions, ils ont été abîmés, je sais pas si t'étais dedans. Non, j'étais dans un BTR. Okay. Ouais, il me semble que c'était le mec de la Kagan qui conduisait les camions, non? Ouais, c'était moi, j'étais devant. Le premier camion, c'était moi. Le dernier? Le dernier, c'était... Par contre, j'ai kiffé le premier Metro Ligueur qui rentre dans une maison en mode c'est clair, là je lui ramasse sa mère. Ça va, Cipal? Apparemment, c'est moi qui vous ai fragué à grands coups de lance-roquette. Ça va le temps, à ce qui paraît, c'est moi qui t'ai mis une grosse tête. Oui. Non, pas dans la tête, Cipal, pas dans la tête. C'était tout le flanc droit, il était mort, mais j'ai survécu. On m'a demandé cette histoire. Ça m'a cassé les couilles, cette histoire de j'ai pas pu me soigner comme je voulais. Ah oui? Ouais. Il y a eu un bug de soins? Non, il n'y a pas eu bug de soins, c'est juste que je me suis retrouvé à court de soins et j'avais envie de casser mon PC. Simplement. Ouais, il faut se charger en bandage parce qu'on en a très peu. Mais il te fait charger en bandage. Non, il a non, le droit. Non, c'est il a pas, pas ça, le droit de mais... tuer nous. Pourquoi c'est dérangé comme ça là? Roélan, faut que je te parle d'un projet après. D'un projet. J'en ai parlé au second maître. Okay. Il a totalement approuvé. Ok, le second maître. Aspect TP. J'aurais été meilleur qu'au Roélan. Non, mais le mec, ouais. Il est sur la colline de profil. Enfin, je veux dire, c'est quand même hyper chaud de toucher un mec. Ouais, mais grand P. Cadet, à boire, va chercher à boire. Non, par contre, la 5.46 et le mec avec la 5.52, bon, 62, pardon. Oh, quand même, le type qui porte un autre type sur les épaules qui avance à deux. Après, il y a un autre type derrière. Après, ouais, j'ai un peu prévu en avance. Après, on a tout filmé. Orny, tu m'entends? T'inquiète pas, moi aussi, je suis en live là. On a après, on se dit, le médical ça s'est pas tiré, mais bon, j'en ai quand même foutu du haut sol. Hein. Ouais, pareil, j'ai 2 kills, je suis content. Après, ils se sont relevés. Après, y'en a un. Après, y'en a un qui s'est relevé et qui m'a buté, mais ça, c'est un des détails. Le Zlas voudrait parler. Je tiens à vous dire qu'en tant que Zeus, j'ai absolument tout vu. Et
C'était la chose la plus propre que j'ai vue depuis longtemps. Non. Arrête, tu nous as trouvé comment dans la maison? Tu nous as trouvé comment dans la maison? Parce que on était un peu piégés. Hein, Roëlan? Hein, Roëlan, t'aurais pu nous appuyer? Les Russes, hein, Roëlan, quand tu tires dans la maison alors que c'est des années dedans. Les gars, hein, c'est les Russes se sont fait violer. J'ai demandé à la radio s'il y avait. Oh, c'est bizarre ça, hein. Oh non, mais là, c'est. Non, mais franchement, hein, un truc, c'est. Sur OK. Ah, OK. Le premier maître a toujours raison. Même quand il a raison. 10h30. C'est pour tout le monde ou c'est pour juste? Pour nous tous. Autorisation. Au Galweb Radio, c'est pas chier. Oui. Baco, non, Hubert et puis Fromager, vous êtes là? Convoi. Oui, oui. 10h40. Oh, ok, bon, oh, les... putain. Les espions. Non mais les mecs, à un moment quoi, enfin je veux dire, on se respecte hein. Minecote. Bon attends, à la fin il en restait combien en vie de notre côté? Mais bah, nous, deux, on était trois. Dans la maison. Mais Roland, putain. Non mais deux, attendez, deux, il y avait Bougrain et toi. Deux. Voilà c'est tout, on tapait la discute, hein. On va pas se mentir, à la fin on a bien compris que le camion était parti, etc. Il y a quoi qui est bloqué sur la map? Non. Moi je suis encore dans le lobby donc bon. Après regardez le spawn, regardez le spawn. Ah mais non mais je suis con moi. Regardez le spawn de l'armée française et demandez-vous à votre avis pourquoi ils ont fait l'embuscade au point de passage 6. Quand on comprend quand on voit mais les flemmards. De quoi? Mais c'est parce que c'est plus proche de la revente des véhicules. Mais bien sûr. Mais gros, mais laisse tomber hein. On le fait au point de passage 7. Ouais, on peut le faire soit dans la ville en mode urbain, soit on peut le faire non, dans la ville. Non, il y a des arbres. Je suis tellement chaud qu'on les rush à poisse là, à Gouasse. Mais non, mais le les gars, le mais non. Attends. Prends en pleine montée les mecs. On se calme. Quoi? Ouais, les gars, prenez les radios. Prenez les radios là, prenez les radios pour commencer. Ouais, j'arrive pas à accéder à l'inventaire, c'est quoi ce bordel? Windows. La 6.3. Ah oui, c'est vrai. 5.56, hein. Ouais, j'ai se sont bourrés. Putain, les Français ont de bons viseurs comparé aux Russes, hein. Ah putain. Ah ouais, okay. D'accord. Ah oui, on a fait. Viseurs, moi j'en avais pas déjà. Hein. En même temps, c'est du staff américain. Hein. Non, on avait pas. Non, on avait pas. Les Russes, ils ont du staff de merde ou quoi? Le stuff qu'on nous a donné c'était de la merde, pas la même chose. Les bas de visière sur les, les soutiens. Les charlatans voilà, regarde. C'est un peu compliqué. Si tu pouvais bouger, s'il te plaît, j'ai tapé dessus en français, mais pas en Russe. Du casse. Venez à moi. T'as même pas besoin de changer le putain de viseur là. Prenez notre bandage, les gars. Voyons. Ils vont donner la fréquence radio, donc il faut écouter la fréquence radio et comme ça après tu fais contrôle P et tu mets ta fréquence radio comme pour parler, t'appuies sur majuscule pour parler. Ouais, c'est pratique, ça rime avec chaussettes. Faut qu'on reste en silencieux. Comme avant. C'est qu'il y a une de merde là. Mais si. Oh, il y en a qu'à coucher la poubelle qui. Mais non. Où est-ce que vous voulez qu'on fasse le. Je donnerai le sucre en muscade. Je Orny, il est où? Est-ce que Orny il est? Je ne sais pas. C'est pas trop. Orny, en train de préparer. Viens avec moi. Ouais. Oh bah, Grêle. À la ville de Gouasse, au niveau du pont de passage. Et j'ai permission de prendre pont de ces 4 et de décharger. Viens avec moi. Ouais, on peut faire ça, ouais. Maître principal. J'ai repris. Avant de me poser 10 000 questions, vous allez dans les camions, les gars. Ben justement. Donc là, ils vont nous filer la. Est-ce que je peux prendre un voltigeur et me détacher en binôme TP quelque part? Ouais, ok, d'accord. Et après, on va voir comment on va. Attends, il y a une pose des questions. On sait même pas comment on va faire. Ah, d'accord. Puisqu'il suis pas guide. Faut prendre le fer, justement. Ah non, c'est vrai, je peux pas tout faire péter. En fait, on a réussi. Par contre, c'est pour les. Les gens, ils ont plein de cul des Arabes!
207, c'est la fréquence principale. Ok, oui, on est sur la 207. Ou pas alors? Non, pas, à part si vous savez régler un canal secondaire. Ouais. Mettez la 207 en canal secondaire. Sinon, on fait la. Pour ça, c'est parce que. En primaire, pour l'instant, on a pas. Les gens n'ont plein de cul des arabes! On se calme, les gars. Moi, non, c'est pas moi. Il va se faire courir la gueule. Maratia, tu le restes tout autour. Ouais, Maratia, ouais, c'est là, c'est pas là. Pour attendre que la plupart. Je fais en intention derrière toi. La fréquence principale. C'est là après lorsqu'on va se. Ah putain, malheur, on a dit que c'était la secondaire. Putain. C'est... Mais non, ah, mais. On va pas tous faire une seule escouade. C'est pas le même terme principal. Il a raison. Je suis les dignes héritiers. On va sur 207 là. Non, non, la 207, tu la mets en secondaire. Voilà, donc, et après la fréquence principale sera attribuée par le QM ou ton chef de groupe, on va dire ça comme ça. Alors, il sait pas mettre une fréquence en secondaire, il vient d'arriver et il faut. Ah, ça y est, j'ai réussi à faire. Kiznek de l'autre côté. Ah, c'est pas comme c'est, t'as sûrement pas réussi parce que c'est une putain de manip de ouf. Oui, bah non, c'est marqué C2. Non, non, c'est pas ça. C'est A2 ta secondaire. En fait, ah, okay. Tu écoutes attentivement. T'es prêt? Ouais. Le canal 2, faut que tu cliques sur la flèche de gauche, la canal supplémentaire prévue. Toc toc. Ok, voilà, j'ai la A2 qui s'affiche. Voilà, tu mets 207 sur la A2. C'est déjà fait. Ensuite, tu reviens sur le canal 1, donc C1. Bah, tout à l'heure. Ouais, c'est un, c'est bon. Voilà, et en fait, sur la C1, tu vas entendre ton principal, donc tu vas entendre tes gars à toi. Et sur la, en fait, avec la canal supplémentaire, tu vas entendre en plus la 207. J'ai pas fait de secondaire, donc tu vas faire le taille un peu. Je peux choisir si tu veux en gauche. Il y en a 12 rassemblements. Il y a les Français, par exemple sur la les autres sur la porte sur l'autre partie sont les silencieux donc je vais utiliser les silencieux. Ah oui, ok, ouais, c'est bon. Qui est qu'en haut-parleur là, putain? Ouais, surtout le premier maître Yeager, mec, il est rentré dans la grange, il avait le silencieux. Ouais, alors, le premier maître, bon. Alors. Nique sa mère, ils vont se faire. Oh, on se calme là. C'est bon. Pourquoi ça me fait ça la radio? Vous l'écouter s'il vous plaît? Ensuite, alors du coup on est combien? Quelle radio? 1, 2, 3, 4. Au moment, sachant que j'ai un casque mono. S'il vous plaît, les haut-parleurs, oui. Roland. Oui. Roland, tu dis à Hubert ce que tu voulais dire avant aussi. Quoi, les radios? Hubert, je voulais prendre un binôme pour détacher TP. Ah, je peux venir? Tu compétences? Ouais, bah du coup. Alors ce sera à voir avec. Ouais. Bah vous allez monter dans un véhicule, donc tu veux un binôme avec toi. Je me porte volontaire. Qui? Ah mais je me porte volontaire, Hubert, on a l'habitude. Ok. Et qui t'es fait comment là, Malheur? Ah malheureusement, fusil, j'ai rien d'autre, j'ai pas de jumelé. Bah fusil, aussi. Fusil, tu veux que je prenne un... Quoi? Un TP? Non. Non, deux secondes. Non, y'a qu'un TP. J'ai pas des jumelles et pas de volontaire. Je pourrais indiquer Roélon et en même temps le courir au corps à corps. Ah ouais, t'inquiète. Tu choisis entre Malheur et Hubert. Orni, du coup. Ouais. Même point, et même pas moi. Et Orni, t'as quoi comme lunettes? C'est comme du mal. Je sais plus comment on fait pour parler sur la secondaire. Je sais plus non plus. Mais t'as un holo quoi, un fois un, et t'as des jumelles? Arbe et fort, vous êtes en trinôme. Non, arrête de parler sur la radio. Ouais, c'est pareil, c'est juste que ça. Ouais, mais c'est juste que ça supprime un soutien du terrain quoi. Ouais, non, mais je serai avec lui. Et puis on me dit, je vais pouvoir parler sur la secondaire, t'as pu. Ouais, sur majuscule. Ouais, mais si Tazmat de sa position, tu vas le faire opérer. Ah, bah lui aussi. Ouais, c'est bon. La plus, okay. Bon, moi. Il a ce matraque. Boulanger, Bougrain, vous allez avec moi. Je vais avec le Comment ça marche de l'infanterie? T'as quel âge? Tu fais chier. Allez, on se dépêche là. Allez, vous faites 6 groupes, vous vous dépêchez. Malheur. Putain, lui, dans le gros ça. Groupe de combien? Madère. Ouais, voilà. Pardon. 119.3, ça te va? C'est 119.3.
Voilà. Décalez-vous un peu. Décalez-vous un peu. Tu peux te regarder du cache du coup. Vous allez être mon plan ou pas? Alors, 1, 2, 3, 4, 5. Tu poses ta bête de murée et tu rappelles. Alors, Maria Tchad, du coup, tu vas être avec moi. Qu'est-ce que t'as dit? On est pas mal. Donc, là c'est bon. Il y a des chargeurs. C'est pas grave. En 14. Ok, à tous. En 94. Écoutez-moi, vous ouvrez vos cartes. Avina. On va se placer au niveau du point de passage 3, au niveau de Wass. Je veux un groupe alpha qui va se mettre au niveau de la forêt, le but du jeu, c'est qu'il se cache et laisse passer tous les véhicules. Ensuite, on aura un groupe frost à la sortie d'Avid qui fera exactement pareil. L'objectif, c'est qu'aucun véhicule passe au-delà de ce groupe. Tout le reste, je veux le groupe November au nord de la ville, un groupe Charlie au centre de la ville, le groupe Oscar à l'ouest de la ville, et le groupe TP sera le groupe Syrah. L'objectif, c'est de renfermer tous les véhicules dans la ville. Est-ce qu'il y a des questions? Vous êtes et moi. C'est bouillé. Négatif. Oui. Négatif. Négatif. Oui, moi, Gaznek, moi. Ouais. Et en LAV, moi je me mets où? Ouais, t'as mis 194 points. Il y a combien d'élavés en plus? Un seul, Bernard, il est parti. On est en trinôme, c'est bon. Toi, tu es en train de faire un peu en première position. Oh, mais tu peux fermer ta gueule. Combien de élavés? On a choisi la radio 1, 9, 4, 1. Attends, Barbe. Pourquoi la principale? Ce sont les gueules. On les entend d'ici. Ok, reçu. On est dans ce véhicule. Ouais, on est celui-là, il se casse direct. Il est surstuff par rapport au TP russe. Déjà, t'as vu l'arme que t'as. Non, mais non, l'arme elle était mieux en russe. Mais moi là j'ai une table de tir, j'ai un GPS, j'ai des munitions, j'ai un Kestrel, j'ai un kit de SSWT et un télescope de visée, j'ai tout ce qu'il joue. Tu veux rire? Mets ça dans la forêt. Bon, j'ai mon petit. Comment dire? Bon, j'ai de la morphine sur moi. Allez, ça, je radio, j'ai mon petit trépied, j'ai v'là des munitions, j'ai v'là des munitions, v'là des grenades. Bon, aussi. Regarde, t'as reçu? Là, sur la radio, gros, c'est ma dernière soirée en TP. La principale, tu veux la lâcher après, c'est ça? C'est pour ça que ça m'a beaucoup fait rire quand ils ont dit pour le second mètre, ouais, tu vas la repasser. Non, là on t'entend pas, tu attends, parles. Je vais prendre moins de grenades, je vais rendre plus de munitions. Attends. Mais mets-en dans le camion. 194. 194.3. Non, c'est de la merde ça. Attends, parce que tu feras à part. Unité. Fumigène vert, 9-0 pour le moment, le visage de Zef. C'est bien là. Bah, du casque reçu. Du casque reçu. Rien du tout. Donc celle-là, il n'y a que toi, moi et Malheur sur cette fréquence-là. Ok, c'est qui le chef d'équipe? Maria, tu fais quelle fréquence du coup? Bon bah, il n'y a que nous deux. Si tu veux, ouais, pas tout seul. Ok, bah je pense que j'ai pas Troyard, tu casses, vous êtes avec Drive. Je vous ai mis avec Drive, vous êtes avec Drive, vous êtes sur Radio avec Drive. BTR, vous voyez avec BTR. Changer de compte. Ok, bien fait. Du coup, messieurs, vous... Bon, on dans l'habitude, on se dirige tous vers checkpoint 3. 82 ans. J'ai en secondaire la puissance. Ok, 82. Mais, okay, alors, vous remontez dans les véhicules, vous attendez avant de partir. Je passe en conducteur. Tu l'attends en conducteur, ok. Ouais. T'as un GPS? Bah non, il n'y a pas de GPS. Avec une donc, Gaznek, autorisation de. J'ai essayé d'en prendre un, mais il n'y a pas disponible. Ouais, Troya, c'est du cas sur mon parti. C'est déjà ça. Oh, c'est quoi, c'est TP? C'est TP, ouais. Allez, Syrah, allez-y, go. Prends pas ça, non? Ok, je te. 82, c'est ça? Ouais. Regarde. Ok, c'est parti. On est en solo maintenant. Eh, ça tombe sa race. Moi, je t'entends dans le sens que ça race. Avec sa fourmi, sa race en bas, genre, on les fout tous. Ok, donnez l'équipe. Test radio 207. Reçu. Quel groupe j'ai pas affecté encore? Tu sais qu'elle a. Quel groupe j'ai pas affecté, quel groupe j'ai pas donné l'ordre de partir? Parce que là t'es sur la route et. Excusez-moi, second maître, vous avez dit un truc et il venait partir? Oui, Alpha, vous pouvez partir. Affirmatif. Je sais, j'ai un GPS. Je sais pas pourquoi on a équipé une, mais j'ai un GPS. Je te dis, le TP français. Tu n'as pas de groupe encore. Pas avec ça. J'ai vu la zone où
va se poster. T'as pas idée. Là, tu vois, je galère, là. Je suis à fond. Ouais, ouais, mais avant, mec, avec le BTR, sur un truc comme ça, on était à 15 km/h. Quel groupe ? Qui c'est que j'ai pas appelé comme groupe ? Et tu sais, j'ai plus rien, je te rattrape. Qui est le groupe Charlie ? Ah, mais c'est honteux ! Oui, je vous fous par côté, s'il vous plaît. Sur le côté. Sur le bas côté. Je passe sur la gauche. Et si groupe November, on peut y aller ? Oui, affirmatif, allez-y. J'ai tracé un tracé approximatif sur la carte, faudrait que tu me le confirmes. Tu l'as mis en quoi ? Tu n'as rien mis du tout sur la carte. Là, on aurait pu passer à travers la montagne. Tu l'as mis en quoi ? Je l'ai mis en groupe et je l'ai jusqu'au point de passage 4. C'est chaud par contre comme il y a une zone 2 seul. Je sais pas qui a l'idée de prendre ces merdes là. C'est moi putain. T'es groupé avec quelqu'un toi ou pas? Pas que je sache. Comment tu te dégroupes? Mais si, je suis groupé avec des gens, si. Ouais, mec, tu fais contre Ludos, tu fais. Je crois ça qu'on se remplace. A tous, oubliez pas de cacher votre véhicule. C'est vrai quoi. Regarde ce qu'il y a sur la route déjà de l'Europe. Second maître, on a le droit de faire du off-road avec. Affirmatif, hein. Ah, yes. Là on a point de passage 6, hein, c'est bien ça. Ouais. Ok, bah on est parti en front. Ah, de me raconter ta vie, pardon. Putain. Tout te met dans la 8. On se partage 50 points de pluie. Oh, j'espère que j'ai pas fait gaffe, j'espère que j'ai un téléphone. Avant, j'indiquerai des petits points, enfin, je vais me préparer pour les distances. Quoi. Ok, là, il veut se poser, qu'on se pose, on est à 100, 200, 300, 400, 500 mètres du point de passage 3. Il y a une voiture qui a plus là. Oui, c'est tout. Attends, je m'arrête, je regarde la map. On est au point de passage 4 là, bientôt. Ouais, bientôt. Là, sur la droite. Voilà, allô ? On part du convoi dans 2 minutes. Comme ça, le pinard il dit allô là, il s'est cru. Il y a un QG, ils ont 10 points de QI. Je suis de très mauvaise humeur. Hey, t'as vu les plants de cannabis là sur droite ? Ouais, j'ai vu, mec. Tu sais pourquoi je suis de très mauvaise humeur ? Ouais. Putain. Ah, vous êtes la dernière mission. Parce que quoi? Non, ça je suis content. Je suis content parce que je sais que je vais tous les fumer parce que je suis déter. Ah, ok. Je suis vénère parce qu'ils sont tous dans la vie et que Bernard revient, ça y est, moi je peux plus aimer ni ta mère en plus. Est-ce qu'on est loin du point Sierra là? Tu veux que je descende et que je pousse ou quoi? Ça se passe comment? Arrête de foutre de ma gueule là, ça m'énerve ça, j'en ai marre. On est où là? On est dessus. Faut qu'on descende légèrement. Bah, pas sur la gauche. Alpha 1, c'est à gauche. Légèrement sur la gauche. Ah, c'est le truc là. On va par quel véhicule là, par là? Là, personne nous voit là. Non, personne.
Si l'hélico peut nous voir, planqué dans les buissons. Sous un arbre, je sais. Mais... Par comme ça là, là, ouais. C'est... Non, là. Mets-toi à l'ombre. Il va arriver dans... Ah, devant là. Toi carrément dans les fougères. Planquer les véhicules, là. Faut pas qu'ils soient vus par les hélicos ni les mecs. Ici c'est bien là. À l'ombre. Uber de Spal. On est sur zone. Oh super. De fromager, je suis en train de passer des explosifs sur le pont. Oh, je suis fromager. Groupe Sierra. Et avant le pont. Oh, super. On se disperse dans les bâtiments. Elle est où la ville? De 2 alpha, on est en position, on a un visuel sur la route. Regarde sur la gauche là, elle est la ville. Tu la vois la ville? Non, là on va être spoté de... par l'hélico. Hein. Non mais Y a des gars de chez nous vers l'église. C'est quoi la distance s'il te plaît? Notre position. Oui, attention, on est dans la maison. Attends, je sors l'outil de navigation. Tu sais dans un autre cette merde. Yavol, entraînement QA module 3 mon pote. Ah ouais, c'est là où j'étais pas là. Le seul truc qui m'intéressait. Je les record mais il va être fait après le module 4. Ah je sais. 1, 2, 3, oui, tu parles pas sur la radio par. Oh. 8. Ça fait ton plus grec. On est à 800... 810... 20... Non. 840... Non, ouais, on est à... Ouais, un truc comme 849... Ah, c'est pas là. 800... Ouais, 840 mètres. Déjà, attends, je dis pas d'erreur. Ouais, j'écoute. J'ai placé ce qu'il faut un peu avant le pont et sur le pont. Ouais, du coup, faut juste me dire qu'on l'est déclenché parce que j'ai pas un bon visu. Ben, il faut. Ah, ouais, je suis devant. Je vois tes deux cas. Ouais. C'était juste pour pouvoir monter les télescopes de visée. Ils vont les voir là, comme ça. 700, ouais, 750 mètres, c'est pas grave, parce que j'en ai placé aussi avant le pont. Sur la ville, hein, si jamais. Hein. Ok, c'est très bien, c'est type Alpha, est-ce que vous êtes en place? Attends, je vais essayer de... Ah putain, il faut que je pose mon trépied. Moi. Alpha, est-ce que vous êtes en place? Je pose pas tout de suite. Fromager, je vais essayer de trouver une position pour que je puisse voir le pont pour t'indiquer là, quand est-ce que tu veux. ETA 2 minutes pour Alpha. C'est reçu. Bien reçu Alpha, dépêchez-vous. November, est-ce que vous êtes en place? Oui, on est en place. Oscar, est-ce que vous êtes en place? Oscar? Je pense qu'ils ont pas d'hélico. Si. Ils en ont un, mais ils vont peut-être pas l'utiliser, ils ont pas de pilote. Ouais, mais ça veut rien dire. Tu sais. J'ai désigné personne en Oscar? Okay. À toutes les unités, vous parlez en faible à partir de maintenant. Vous communiquez en faible ou à la radio. Alpha en position, second maître. Alpha en position. Alors, je... On est au-dessus de... On a un visu sur vous apparemment. Hélico, on approche du point 3, je répète. Hélico, on approche du point 3. Attention. Visuel sur l'hélicoptère, type MI-8, MI-8 russe. Ok, tout le monde, vous foutez à couvert. Vous cachez, le but du jeu c'est de rester caché jusqu'à ce que les véhicules terrestres arrivent. Foxtrot et Sierra, est-ce que vous êtes en place? Sierra en position. Foxtrot? Attends, je vais me couper avec toi. Ok, fromager, j'ai pas un si bon visu que attends, ça. Attends, avant que je me... Visu, véhicule qui arrive dans le village. Équipe Foxtrot, répondez. Y'a un véhicule qui arrive dans le village.
Un véhicule dans le village, un véhicule dans le virage, dans le village. Fais péter, fromager, fais péter. Réussi, réussi, explosant, réussi. Engagement. Vas-y, mettons. C'était trop tôt, c'est pas, il y a qu'un seul véhicule. Le but c'est pas de faire sauter les camions. Ouais, mais du coup les autres suivaient pas. Y'a des survivants, je répète, y'a des survivants. Sur le pont, survivant qui rampe. J'essaie d'abattre. Ok, y'a Salem, y'a Salem sur le pont, y'a Salem sur le pont, faut buter Salem vite. Mort, 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 mort. Attention, faut pas se montrer trop vite, sinon les BTR vont pouvoir nous allumer. On est de Alpha, on est en couverture. Dès qu'il y a le BTR, on sort le lanceur et on. Ok, affirmatif, dès que Gaznek, dès que t'es en position de tir, tu l'allumes. Il fait 15 degrés, il fait chier. Le pack sur le pont est à terre. Sur le tif. Alpha toujours en position, pas de visage sur des véhicules qui entreraient dans la ville. Ouais, tu peux même la mettre à 820, hein, mec. 820, 850. Le centre de la ville, hein, je parle. Hein. Qui a fait péter la Jeep, mais il y a vraiment des 2B. Mais ça a été du coup, c'est qui l'équipe Foxtrot? Y'a l'hélico juste là. Tu veux que j'essaie d'abattre? Ok, de là-bas, je vais bouger. J'ai trop mon SD sur la Jeep. Tu me dis hein, si tu veux que je l'abatte. Hein. De groupe Sierra, l'hélico vient de passer dessus de nous, je pense qu'on a été. Alpha garde son intégrité. Le truc c'est que on n'a aucun visu sur la route en fait de là. Elle débouche pile juste avant l'entrée du village et ça qui me casse les couilles. René, tu veux qu'on se déplace? Véhicule en approche, je répète, véhicule en approche de type 4x4. Bien reçu. Ouais, il y a 4x4 en approche là. Il vient de passer dans le virage, il doit arriver par là. Il rentre dans la ville là ou pas? Camion en approche dans la ville. Laissez-les bien rentrer dans la ville, laissez-les bien rentrer dans la ville. Foxtrot, répondez. Je pense que Foxtrot a un problème au niveau de sa radio, Sgrin. Je pense surtout qu'il y a une équipe qui s'est trompée qui est pas allée sur Foxtrot. Camion. Visuel sur camion. Un camion en approche. Un camion va se passer. Deuxième. UAZ, gaz, pardon. Un camion en approche avec une gaz derrière laissez lui. Laissez-les passer. De Alpha, vous me dites quand j'engage le BTR. Qui a tiré? Feu. On a dit de laisser passer. Feu. J'ai dit feu, hein. Ah, ils sont trompés de route. Ils viennent de passer. BTR et camion en approche de la ville. Y'a un groupe qui vient de passer là. Et ils sont trompés de route. Le camion s'est trompé de route, hein. On va faire demi-tour. BTR qui arrive sur le village. Le BTR arrive en tête. Attendez, BTR ordre, BTR camion. Ils arrivent tous. Mais deux BTR maintenant, passez. Maintenant ils arrivent dans le camion, fumez les camions. Fumez les camions, putain de merde, feu! On se casse. Merde. On change de véhicule, on prend le véhicule, on y va. Un camion touché. Arrête de tirer sur le camion, il est mort je crois. Il y a un camion derrière, à l'arrière de la ville. En sud-ouest. Attention les BTR, tournent les tourelles vers les maisons, faites attention. On tire au hasard et détruire toute la ville. Putain, en plus c'est mon bras. Y'a pas des laves qui peuvent essayer de les déloger?
camions. Les camions, ils reprennent la route. Les camions reprennent la route. Est-ce que je détruis les camions? Est-ce qu'on a autorisation d'engager les camions? Affirmatif, affirmatif, vous êtes engagé. Allez, on ressort, ils arrivent. Un BTR détruit. Bien joué, j'ai vu un direct, bien joué. J'ai plus de roquettes. On se fait tirer dessus, bougez, bougez. Ils ont des gunners dans l'hélicoptère. C'est une blague? Eh non, c'est pas une blague, l'hélico c'est sympa, c'est ça que... Alpha en repli, Alpha en repli, on s'est fait engager par BTR. Alpha, votre position. Le BTR, la position du BTR. Ici Sierra, info, il y a toujours un camion en sud-ouest de la ville qui a l'air inactif. Reçoit. Affi. Les deux véhicules sont passés, impossible pour moi de les rattraper à pied.
Putain, t'es dans la merde, Orny. Non, je peux pas te soigner là. J'ai pas d'épinéphrine. Désolé, Orny. Ça vous intéresse un gaz allié, ennemi, pardon? Eh Malheur, tu sais par qui on s'est fait buter ou pas? Non, on s'est fait buter par... oui, on s'est fait buter par un mec derrière nous. Ouais, il était derrière le portail. Ouais, il avait un silencieux. Avec un silencieux. Ouais, bah ouais. C'est pas aussi bon, c'est casse-cou, ils nous disent retirer nos silencieux, puis bah, on leur a dit. Qui le garde. Ouais, ouais, et en plus, alors... donc du coup, ça confirme ma thèse. Dans la première partie, les Français, ils ont gardé les silencieux, l'autre équipe. Ah non, 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 on a pas de silencieux. Il y en a qu'on avait. Moi, j'ai tout enlevé. Mais là j'en vois pas hein, sur les silencieux des mecs qui sont encore en vie. Ah bah le mec qui nous a tiré dessus, il y avait aucun bruit. Ouais. Aucun en fait, bruit, j'ai été obligé de me retourner pour voir que t'étais mort, malade. J'ai cru que c'était un sniper. J'ai pas entendu le feu. Parce que là tous ceux qui sont en vivant, y'a aucun... Et Roland frère, il a 3 kills. Ah bah Rousseau est mort. Rousseau est mort de ses blessures je pense. Ah bah non il redémarre, je comprends rien. Pourtant ils ont pris super cher les conducteurs de camions et... ils sont... Ils ont réussi à passer quoi? Bah pourtant, vous le camion, vous l'avez. Ah, le camion il est pas à nous. Ah bah voilà, ils sont en train d'allumer un camas qui a été piqué par un anglais. Hop. Ouais. Par mes coéquipiers. Bah, normalement on a pas de silencieux. Hein. J'ai regardé tous ceux qui sont en vie, ils ont pas de silencieux. Tu regardes avant, t'as le premier Trolliger, il rentre dans une maison. Puis il avait parce que Nasson en plus il. Bah non, c'est pas possible, le premier Trolliger il est en hélico avec le 50 mètres. Ah mais les silencieux c'est des pistolets, les gars. Il faut trouver celui qui nous a tué hein, avec Bourrin. Parce de toute façon, que... les trois Russes ils sont ensemble, c'est bourré. Rolo est en train de se faire défoncer. Le temps bourré, Bago. Ah bah, c'est du coup. Sur le BTR au lieu de travailler. Non mais le BTR, à partir du moment où on décide pas qui vous êtes, c'est fini. Ah ouais, faut qu'il fasse. J'ai plus qu'à faire clic gauche, c'est fini. Bah non, mais Salin il peut tuer le. Enfin, Roland peut tuer le blindé. Prendre Salin, est-ce que vous avez un AT encore vivant? Ouais, il nous reste. Je sais pas sur qui je suis là. Non, est-ce qu'il y a un silencieux? Parce que dans la première partie, j'avais vu un mec avec un lanceur et j'ai cru voir un silencieux. Et là, on s'est fait clairement tuer par un silencieux. Bourrin, je pense qu'il Hubert, je pense qu'il est d'accord avec moi. Je sais pas, Nassau est en jeu, il aurait dû le voir normalement parce que c'est tout le machin. Ou alors c'est un bug de son. Ils sont plus trop en vie. Ils sont plus trop en vie, qu'est-ce que tu veux? De toute façon, après, s'ils arrivent pas à temps avec le véhicule ou qu'ils le plantent sur le trajet... Non, il y a encore du monde, hein. Ils sont... 4... 5, 6... Bah les armes sont buggées, alors. Je sais pas. On a encore 8 en vie, notre équipe. Hubert, on s'est fait tuer sans bruit, hein. Le mec était derrière nous encore, hein. Vous avez fait la mise à jour... Ah, c'est peut-être... Vous avez fait la mise à jour RFS? Vous êtes déconnecté. Mise à jour avec Arma 3 Sync? Ouais, des 4 gigas. Vous l'avez ou pas? Oui, moi je l'ai. Oui. Bizarre. Ah, ou sinon... Galpem l'a lancé, en fait normalement je crois qu'il a lancé la mission sans la mise à jour du machin pour qu'il y en a qui puissent se connecter en fait. Donc il y a moyen que ça fasse un bug et qu'on n'entende pas les armes. Sérieux? C'est possible, ça serait la seule raison. Ah frère, nous on s'entend tirer donc c'est bizarre que... Oui, tu entends tirer parce que t'es en local, mais tu entends pas tirer toutes les armes qui ont été modifiées sur IRH. Oui, mais c'est normal. Toi tu l'as le machin, mais il suffit que lui, sur celui qui vous a tiré dessus, il l'ait pas et ça reste, ça peut s'assurer. Bah oui, moi aussi je me suis buté par un silencieux, pourtant j'entends le bruit de mes collègues. Je sais pas. Bah, oui, bah j'entends le bruit de mon arme, j'entends le bruit de mes collègues. Ceux qui sont morts, écrivez pas dans le chat, on verra ça après. Étrange. Concentré sur la mission. Ah bah, Rousseau est perdu de nouveau dans... Je crois que Rousseau est mort. Il a... Je sais pas ce qu'il fout là, mais je crois qu'il est mort. Il voit quoi là? Rousseau il est contre un arbre dans un caillou. Qu'est-ce qu'il fait? Ah ouais, je le vois. Il bouge pas. Simple, nous on était dans cette position là, on a bougé pour essayer de ralentir les camions, ou niquer les pneus. Bago, prends le camion! Mais le truc c'est que notre véhicule s'est fait dégommer par un BTR. Et pendant on s'est fait asmat par un hélico et un BTR à la fois. En fait, ce que je pense, l'endroit où vous avez peut-être mal joué, c'est au lieu de me faire péter moi, genre le. Mais on savait pas, pourri. Il y avait que toi. Bon, on était ouais, des véhicules, bah, vous avez... Fromage, il m'a dit vas-y fais péter. Oui, et Fromage a fait péter. On a reçu l'ordre de faire péter le. Ouais. Non, en fait, on a reçu l'ordre de faire péter, on a dit qu'il y avait un véhicule. Ah bah y'a un russe qui vient de mourir. Je crois que Roland vient de mettre une grosse tête à un russe qui voulait prendre un camion. Oui, il est en train de le faire là. Et Roland, la prochaine fois, je suivrai pas le chemin, je ferai comme lui envie, comme ça le BTR il va pas crever. T'étais obligé de suivre le chemin.
Ah non, ouais, voilà, c'est ça. Non, mais c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, moi je suis revenu sur le chemin pour en gros reprendre la route tranquille pour m'en faire à peu près RP, mais j'aurais dû tracer de mon côté. Non, non, le BTA, ils ont pas besoin de suivre les routes. C'est dans la limite. Mais c'est fortement conseillé vu qu'ils grimpent pas les côtes. Voilà, c'est ça. Je t'explique, hein, si vous auriez continué, bah vous serez arrivé à une impasse au niveau de la mer. Hein. Voilà, c'est ça, vous auriez pu tracer. Hein. Parce que en fait, Rousseau il s'est trompé au début. Il a tracé tout droit au lieu de tourner à gauche. Et le problème, c'est que tout le monde a suivi, tout le monde a dû faire demi-tour. Et en vrai, j'ai cru qu'on allait prendre beaucoup plus cher que ça. Ouais, mais... j'aurais pas dû retourner en ville, malheureusement. Moi. Bah, en même temps, si vous avez tiré en plein dans les maisons. Bah ouais, mais après je trouve ça un petit peu trop, quand oui, j'ai vu Peter Asmat de la Maison Jaune et elle s'est écoulée, je me suis dit que ça serait trop simple. L'Asmat. C'est-à-dire qu'il suffisait que d'asmater dans les baraques et après c'est fini. Bah oui, c'est ça. Pourquoi il fait demi-tour, Bagou? Par contre, ils en sont où, là, notre petit point? Il y a un camion qui arrive bientôt au point de passage 11. Rousseau, il est planté contre un arbre, je pense qu'il est mort de ses blessures. Attendre. Nous on a deux coéquipiers qui peuvent tenter une réussite, mais bon, est-ce qu'ils vont qu'ils la faire? Qui une voiture et qu'ils essaient de remonter tout le convoi. Nos deux coéquipiers qui arrivent à récupérer. Question, il nous reste encore combien de nous du côté Red Fort, combien de camions opérationnels? Bah 3 sont en route. Il y en a un qui a plus de roues, hein. Il y en a un qui a plus de roues. Non, ils ont pas plus de roues, ils sont juste. Les véhicules, vous pouvez les crever genre énormément, mais c'est des véhicules de RHS, c'est des roues semi-blindées. En gros, vous le ralentissez énormément, mais pas complètement. Non, mais il y a plus de roues. Là, t'as un camion qui se fait tracer par un véhicule. Même Rousseau, il a des roues, hein, ils ont tous des roues. Non, regarde, il est en train de se faire tracer. Alors, ils vont réparer parce qu'il y en a un, il est plus dur. Ah, bah, gauche, je crois qu'il est mort. Ouais, Roélan, on va se l'avoir. Non, c'est pas Roélan. Camion qui couche un mur. On a des forces spéciales dans la forêt. Forces spéciales. Mec, ils sont deux avec un pick-up. Hein. Ouais, ils font mal les pick-up. Le gars dans le camion, il est mort ou pas? Oui. Ils l'ont buté, le gars dans le camion. Ils l'ont buté. Visez la lune. Ça ne me fait pas peur. Bon bah vu que c'est fini... Socrate... On va attendre. Il faudrait que je mette le spectateur Ace la prochaine fois, comme à Lovecraft on peut se balader et tout, c'est plus drôle. Et on voit les alliés et les ennemis. Ouais. Bah c'est le spec Ace en fait. C'est pas le spec classique mais... Oh il l'a pas vu... Moi ça m'a juste dérouté pour les charges, moi la première fois. Non, moi je me suis fait massacre. Bah je pense qu'on va avoir le temps d'en mettre qu'un seul, j'ai demandé à Nasso quand même. Il est quelle heure parce que moi j'ai Ouh, on attend, on va faire encore une non? Oui je pense, on peut faire le... On fait pas le défouloir là? Ou sinon on fait le défouloir si ouais, vous on fait le défouloir. Bah je préfère que fasse le défouloir. Vous allez voir c'est la ville de... La semaine dernière pour la semaine prochaine, j'ai rien. Ça sur la rediff de Dormi. Oui, second maître. Non, je regarde ta rediff parce que je crois que le commandant la semaine dernière avait désigné déjà l'exposé de la semaine prochaine. Oui, c'est après Grail, c'était... je sais plus qui c'était, mais il avait dit ouais, il avait déjà désigné. Attendez, je vais essayer de. Oh, je vais péter un plomb. J'arrive même plus à rouler ma clope tellement que... Attendez 30 secondes avant de dire quoi que ce soit, je coupe l'audio TS sur du live. Ah c'est bon.
fait. Oh là là, c'est, on est à 3, on a défoncé au moins 4 ou 5, types. Ouais, pareil. L'un des seuls qui a survécu. Ah, de la ville ? Ouais, il s'est planqué entre des pierres tombales. Ah, ouais, ça joue bien. Ça danse bien. Ça, ouais, ça fait de la victoire. Par contre, y a pas les radios dedans. Vous pouvez faire les mettre les radios dedans. Là, t'as quand même pas vu notre crash à la fin de Pinelli. Putain, mais pourquoi mon Zeus il fonctionne pas ? Il y a un rôle de défoncer la gamme. Tu peux mettre les radios dedans ? Putain, qui fait la musique là ? Les caisses, mettre des radios dedans. Deux victoires pour la troupe de la Kagan. Mais en plan par terre, attends, je vais en mettre plan par terre. Putain, on a pas de en face, c'est des cadets. Pour une fois qu'on gagne quelque chose. Une boussole aussi, j'en ai pas eu avec ça. Viens voir de Nord. Boussole, map. Ouais, j'ai ni carte, j'ai rien en fait. Je récupère. Oui, alors tout ça, c'est pas normal. Prenez, j'ai dit l'inverse. J'ai pris une autre lunette pour le corps à corps. Non, gardez le stuff. Non, gardez vos lunettes. C'est moi, qui vais vous donner. Reculez tous, c'est que Nassau. Tu changes ton stuff, je te mets une balle dans la tête. Voilà, j'ai pas changé, j'ai juste pris une autre lunette. Hein, non, reprends ce que t'as de base. Reprends ce que t'as de base. Tu l'enlèves et tu gardes la visée mécanique. Voilà, c'est ça. Tu gardes la mire métal si t'es pas content. C'est nul, la cassette. Personne change de stuff. Réolan, il m'a fait un speech pour changer, j'ai dit non. J'ai juste les radios quand. Ah, je les largue une par une, je peux pas les mettre. Quoi les mettre malheureusement. On va sortir évidemment, merde. Une boussole aussi. J'en ai mis par terre. Par terre des boussoles. Ah, je les montre. Une orange, t'entends ? Ah, mais merde. Yo, vas-y, descends qu'on rigole. Je t'attrape. T'es la gueule. Un rapport. Il y a des fréquences radio quoi. Une soirée 41. T'as ta radio, Rivo ? 41 bon. Au principal, c'est ça ? Ouais, QM. Mon talent d'esquiveur, ça. Attends, elles sont des radios. Après, de toute façon, là, je pense qu'on va pas avoir besoin. Non, sérieusement, c'est moi qui vais essayer. Ah, merde. Oui, on va rester organisé, c'est sûr. Je pense qu'il y aura des radios de groupe. Les radios, il faut les chercher là-bas une à une. Je sais, t'inquiète pas. Des groupes radio, non ? Encore radio, ouais. Pas de radio. Rejoignez le groupe du PM. Rejoignez le groupe du PM. Radio, c'est où là ? Non, j'en ai pas moi. Radio, c'est où ça là ? C'est Nassau qui est là. C'est moi qui ai mon Rivo. Nassau qui quoi ? Rivo. Attendez, je reviens. Je vais le faire moi-même. Nassau ? T'es sur moi aussi, si vous pouvez. Non, il est mort. Nelly ? Rejoins le groupe. Test 55. Méchant pareil. Je l'ai pas encore. Nassau, tu marches. Rousseau, Poli, de Noroin. Attends, j'essaye d'arriver, mais. C'est moi qui est en train de faire tac 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 là que je le défonce. Y'a un monsieur en haut. Oui, là tu m'attaches. Devine qui c'est. Rousseau ? Ouais. Sans de là. Ah, voilà. Qui s'amuse à menotter les gens ? Oui. Ça, ah, mais. Menotter les gens maintenant, c'est pas moi, c'est pas moi. Quelqu'un peut me détacher ? Comment je peux te détacher ? J'arrive pas à te détacher. Putain, c'est qui se détache du coup ? C'est horrible. Voilà, merci. C'est pas moi qui l'ai menotté en vrai. Rousseau, rejoins le groupe. Allez, je peux pas ouvrir. Windows, la... Windows. Ouais. Fais Windows sur moi. Où ça va ? J'ai toujours pas de radio, malheureusement. Non, la Nassau, c'est Nassau qui les a. C'est Nassau, elles sont pas dans les caisses. C'est toi qui faisais ding ding ding. Ah oui, parce que j'étais en slot Zeus indépendant, mais ça marchait pas. Ah, je peux juste passer les chargeurs. C'est donc une fois là. On va faire pareil. Ah, mais je comprenais pas, moi ça me pétait pas. C'était dommage. Il y a une radio. Il y a une radio. Il y a une radio. T'as toujours pas radio pour le bébé. Donc Nassau, il mettait Nassau dans une caisse. Pas de radio. Nassau, mon cher Nassau, il est où ? Il est pas là. Nassau, tu me rassures ? Merde. T'es où, mais. Caisse avec des radios. Faut que tu mettes des radios dans les caisses. Tu doubles tout dessus et normalement tu pourras mettre des radios. Mais pas d'arsenal hein, parce que c'est sûr et certain qu'il y en a qui vont prendre leur délire. Okay. ANPRC 100. Je croyais qu'on allait donner une radio, enfin qu'on allait voir pour les radios, mais... Oui, ça arrive. C'est bon, ça arrive les radios, ça arrive, ne vous inquiétez pas. Sans radio, on peut rien faire. J'arrive pas à rouler. Mais t'es déjà dedans, Bolos de merde.
EQM, occupez-vous, EQM, occupez-vous, reformez les bordées comme c'était juste avant. Ouais, bah, en trois colonnes, mec qui abandonne ses gars et qui gueule comme ceux qui étaient avec moi devant moi. Ceux qui étaient avec moi devant moi. Ouh l'enculé. Oh, mais y'a pas tout le monde qui était avec moi. Reviens ici, Rino, je te casse la gueule. Est-ce qu'il a encore à gueuler, Rino? Putain, il m'énerve. Poli, tu viens? J'attends qu'on me donne une radio, moi, là. Ça va arriver, une radio. Il me donne QM, mais les lardés. Non, mais moi, vous me comptez comme un médic, en fait. Là, je me suis mis en place. Par contre, celle-là, ça a duré. Malheureusement, ça n'a pas duré longtemps. C'est qu'elle est radio, là. Qui est en médic? Pourquoi? Non, tenez devant moi. La partie d'avant, t'as pas de bol. Ok, merci. Ils m'ont fait péter. Mais ça a servi à pas faire péter avec BTR. Par contre, mon saut, t'aimerais blesser BTR. Regarde combien de médias moi je vais parce qu'il y a des blessures. Tu sais qu'il a pris la radio qui était par ah, terre. Bordel. Ça, ah, bordel. En tout cas, grâce à toi, on a réussi. Son PVP là. Bah ouais, je me suis fait de mon sang à l'arrière, j'ai essayé de me soigner, mais c'était trop tard. Ah, mais quand Salin me dit qu'il me pose une radio devant moi, c'est qu'on la prenne pas. Que Richemont. Il dit ça. C'était pour moi, depuis tout à l'heure, il m'a dit qu'il m'a donné. De toute façon, il va en mettre un saut dans les caisses. Ah, regardez, il en met plein. Il y a plein. Non, mais magique. Il y en a qu'une. Il y en a qu'une seule. On dirait un compte. Ah, il y a une caisse, attendez, il y a une caisse. Ici. Radio. Il a mis un arsenal. Ah, t'as mis un arsenal, là. Ah non, mais ils sont bloqués, peut-être, comme avant. Ah oui. Ah oui, mais on peut pas avoir la radio. On va aborder comme d'hab, 45. Faut qu'il rajoute la radio, juste la radio. Faut que tu rajoutes la radio. Oh, il y a le blindage cœur. Oh, il y a rien dans l'inventaire. Rien dans l'inventaire. Il est plus 90. Il y a 40 radios apparemment. Dans l'inventaire. Dans l'inventaire, il y a des radios. Vous prenez rien d'autre que la radio. Oui, ça sera radio. Non, il y a pas de radio. Attention, je regarde. Si je change d'équipement, je lui mets une balle dans le. On le verra de toute façon. On le verra disparaître. Est-ce où vos radios là? Il y a pas de radio. Ça, c'est sûr. Vous allez le voir. Ah, c'est celui-là. Il y a 52. Je sais pas. Ah, le télémètre. De toute façon, c'est facile. Il y a un nombre. Allez, on prend une radio, on s'écarte. Très bien, 45. Moi aussi. 45 la radio? Ah, pour moi. C'est pour m'aborder, pour m'aborder. Pourquoi 45.5? Oui. 41. Je peux pas prendre de GPS, c'est bizarre. Bah, du coup, Richemont et puis Salin, vous regardez GPS, si vous avez des midis comme ça avec Pinelli. Non, mais on a des GPS, c'est mystérieux. Pinelli, tu peux aller avec Richemont ou ça? Je comprends rien pourquoi il s'est changé, c'est bugué moyen. Mais celui qui souffle dans son micro, ça va pas le faire. Pinelli, tu peux aller avec Richemont? Ah non, ça m'énerve. Ah bah Richemont, t'as Pinelli au milieu. J'ai plus de bouche, j'ai plus rien. Y'en a qui souffle dans son micro. Ça allait pas tricher. Non, j'ai dit quoi? Souffle dans son micro. Comme ça. C'est ça, continuez les gars, énerve encore plus les gens. Oh, faites gaffe. Je vais jeter une grenade. Mais non, tu vas rien acheter du tout. Pas de grenade, de toute façon. Attends, la radio, elle a redisparu. Elle va pas de grenade, Richemont. Non. Non, mais j'en ai pas pris. Complètement bugué. Tout disparu. C'est ça que je piche pas, on a le droit aux charges explosives, on a le droit à des BTR qui défoncent des murs, on met des centres de grenade, c'est interdit. Oh, t'es plein un peu. Mais je pas illimité, tu confirmes, hein. Ah, on peut limite essayer pour voir. Hein. Ah, je touche à plus rien parce que j'ai. Alors, celui qui me TK par contre, je le prends le. C'est quoi les radios? Ah, arrête de parler. 41 pour la QM et le reste, je vous le vends. Ok, j'ai depuis tout à l'heure, je fais une phrase, arrête de parler. Nous, on va se mettre 44. Non, alors... on prend pas la radio des nus. 46 alors. Ouais, 46, on est d'accord. 46, alors, on se plaint, Rivo. Moi, je me joins bon, à vous, tout le monde a son équipement. Ouais, je voulais y aller en mode duolo, moi. Alors, ouvrez vos cartes. On part comme ça. Vous voyez, on a 3 points. Vous voyez? Oui. Voilà. Vous avez le droit de parler quand je vous pose une question. Bien. Donc, le plan va être très simple. Ok? Vous allez courir. En même temps, vous allez tirer. Et en même temps, vous capturez les zones. Ok? Il y a un respawn à la Syrie, hein, vous avez le droit d'y aller. Il y a un respawn à la Syrie et l'autre il est où? Ici. J'ai tout raté. Donc ils ont aussi le même type de respawn. Ouais, ils ont un respawn de l'autre côté mais plus proche. Ok, je transmets au second maître Gadou. Gadou, comme nous, vous avez un deuxième respawn apparemment. Qui serait plus proche de la ville. Vous avez l'autorisation de l'emprunter.
Bien. Alors, donc c'est bon, tout le monde a compris la technique. Oui. Pas trop élaboré pour certains, vous avez des questions? Négatif. Non? Très bien. Du coup, évidemment, on essaye de. Ce qui est sympa, c'est de jouer en groupe aussi. Donc, vous pouvez faire des petits binômes, des petits trinômes avec les copains ou avec, avec d'autres pour tester. Essayez de donner un peu d'importance au SP. Voilà. S'il y a un infirmier de combat. Vous êtes un peu blessé, dites-lui de venir sur vous pour tirer les silencieux, évidemment. Voilà, essayez de ne pas faire trop de YOLO non plus, ok? Vous pouvez faire du YOLO, mais en groupe. C'est plus sympa en groupe. Pour les respawns, vous voyez entre vous, soit une fois que vous respawnez, vous foncez dans la ville tout seul comme un idiot, soit vous vous dites avec d'autres, je vais bientôt mourir... Attends-moi, voilà, ok. On va faire un peu comme du King of the Hill, c'est-à-dire que si vous êtes le seul à mourir et que les autres ont une position sécurisée, vous pouvez partir tout seul et aller les retrouver, ok. Sinon, essayez voilà, de jouer un peu en groupe. On est aussi là pour ça. C'est bien prêt pour tout le monde. Oui. Très bien. Départ à... bah, maintenant. Vous savez où c'est au nord. Go. Au nord, c'était de quoi? Allez, go! Allez, allez, allez! Go. Nord, Pas-de-Calais! Messieurs, l'armée rouge! Ah, Manceau, arme dans. Tout le monde, arme à la main! Non, je tire! C'est du flashball! Et ça vous couche! Merci, le grand! Richement arme dans le dans la main. Quoi? Je sais. À la نسعى ونجد ونعمل نرقى دوما للأفضل دون العليا لا نقبل Tu t'es perdu.
Ouais, je marche avec le bordel. Ah, le connard. J'ai pas trop l'image. T'as fait mon odeur? Les gars, levez vos armes à partir de là. À couvert. Vous avez du contact ou pas? Mouvement maison jaune, mouvement maison jaune, mouvement maison jaune, le bâtiment rose. Je vous ai dit, levez vos armes là, les gars. J'essaye de prendre un peu nord et je redescends. Pivot, ouais, c'est ça, reviens. Ah bon, je te rejoins, allez-vous. PM, je suis juste derrière vous, mon saut. Ok, là. Très bien. Vivo, on va essayer de contourner un petit peu. Vivo, on rentre dans la maison, pas là. Merde. Ouais, comme tu dis. J'arrive, second mètre. Plein nord. J'en ai vu un, faites gaffe. Faites gaffe, il y en a dans les bosquets. L'autre côté de la place, check. Vous pouvez monter, second mètre. Attention, maison jaune, hein. Je passe de l'autre côté, second mètre. Tu vois la maison jaune, Manson, on va essayer d'y aller. Ah, shit. Pour l'allié qui va sur la maison jaune, on est en couverture, hein. On prend les fenêtres d'étage. Reçu. C'était une mauvaise idée, ça, là. On arrive par derrière, faites attention au tir. Ta vision sur la fenêtre de droite, maison jaune. Étage. Non, négatif. C'est une maison jaune à étage. Je me mets. Affirmatif. Volet bleu. Côté nord de la place. C'est pas la bonne. C'est sécurisé. Faites gaffe, d'un côté, tirez, me tirez pas dessus. La visu sur la porte. La compte rendu tir. On va dessus, c'est. C'est 50 mètres nord-ouest. Je suis mieux dessus, ça me tirait pas dessus. Ok, mouvement possible, mouvement ennemi, direction est depuis l'ouest à 30 mètres de la rue qui va au nord de la place. Et à traverser la rue. Au niveau de la maison blanche maintenant. Orny, on bouge. J'en ai eu 4 derrière un muret, les mecs, il est encore en vie. Ah, on s'est bien fait niquer. C'était le gars que j'avais annoncé ou pas, qui a traversé la rue? Ah bah, ils étaient... Ça là, fais gaffe, pas loin. Donc, non. C'était un peu plus derrière. Orny, église. Ouais, dépêche-toi. Ouais, j'arrive, ils sont dans la maison jaune, plein nord, là. Nord-ouest. Reçu, ok, tu t'es fait dégommer. On va essayer de contourner par l'est, nous. D'accord. Merde, j'avais son à la base. D'accord, reflet. Est-ce qu'on a un allié qui tire depuis la maison jaune où Salin était? Maison rose pour contact. Orny, maison rose, c'est ennemi. J'entends mal. Ok, un second mètre.
grand, le grand, le grand, vous m'entendez là? Oh les gars, vous êtes sur la 41 là ou pas? Là, y'en a, ils sont que sur la 46, c'est vrai. Putain, faut leur dire de se foutre sur la 41, sinon ils vont sur la 41 tout de suite. Mettez-vous tous sur la 41. Après. Mec, ça fait dit, on pose la question si c'est allié dans la maison rose, on ne nous répond pas, donc on tire. Attention, attends, je suis là, attends, je vois que le centre. On est pas sur bah moi je suis mort au village. Aucune idée. C'est pas moi, c'est pas moi. Pas moi non plus. Contact allié là, ouest, c'est bon, de l'envoi. J'arrive, je vais mettre la 41. J'en ai défoncé 5. Hein. On attaque leur pompe. On attaque leur pompe, PM, si vous voulez. Nous on est en position, là on est regroupé, on peut attaquer le point bleu. Bah nous on va prendre le point bleu, attends 30 secondes et puis on va le prendre. Je peux disposer les gars là que j'ai en défense sur le point middle. Je suis pas médic, je suis TP. De Neuro, je suis médic, je suis à côté de toi. Ok, on joue jusqu'à quelle heure PM? 50? Si. À minuit. Reçu. J'arrive, on va commencer à 20h. On va bouger, non, ça dépasse. Tout le monde m'entend? Juste des soins rapides. Tout le monde m'entend, regroupez-vous vers moi. Non, c'est fait, nickel mine. Rousseau, viens vers moi. Ouais, j'y fonce. Ouais, ouais. Les gars, faut qu'on soit... Faut qu'on soit tout seul, hein. Très bien, on va prendre position tout autour du cercle... Putain, ils ont repris le point. On y va, go. Trop tard. Je soigne de Neuro, puis on rejoint. On arrive à la 41. Ok, je vous entends sur la 41 aussi. Il y a un français en face, il y a un français en face. Dommage que ça compte pas des kills, bordel. Rousseau, on va se lever. Je traverse. Mets ton voix faible en cas où. C'est déjà le cas. Du smoke derrière. Je vais vous mettre. C'est ton PLR. Je suis sur la zone du point bleu. Ah, pareil, moi aussi j'ai su. Position. Salam, mets-toi sur la 33 et tu laisses la 41 en secondaire. Moi aussi. C'est pas loin. T'as de la morphine, quelque chose sur toi ou pas? Le rigoleur à mort. Oh putain, poli, bordel de merde. Ok, si t'as de la morphine, injecte. Non, t'as pas besoin. C'est déjà fait, son. J'ai déjà assez. Et du coup, il ne manque plus qu'à t'injecter une saline. T'en bouge pas, je t'injecte une saline et t'es go. Poli, sur la 41? Ouais. Qu'est-ce que t'as vu d'heure? Là, pour l'instant, y'a rien. Le dernier admin que j'ai vu, il était à l'aise depuis un bon moment. Ah, TQM, Poli. Gen Rose derrière la maison. C'est pas grave, il me donne pas mal. Est-ce que quelqu'un a lancé un fumigène rose? Tu es sur le point du mid. Ouais, t'es sérieux, j'arrive pas à t'injecter la saline. Pas de l'opinion, je me fais attaquer. Ouais, j'arrive pas à te l'injecter. Bah attends, pas je t'en passe une au cas où. Ouais, ok, ouais. Et puis regarde si tu peux te la mettre tout seul. Tiens, cadeau. Merci, Arnie. Y'a des explosifs parce que les maisons qui me pétaient devant moi. Je bouge. Gap pour l'instant, rien du tout. Ça va, je te déteste. T'es trop bête aussi. On va porter un autre sens. Non, moi ça va, moi j'y vais. Bonne nuit. Je prends l'arrière. C'est quoi l'explosion là? Ah, ça peur qu'elle me mette le bâton, ils avaient dû piéger. Ah, le bâtard. Bâtiment. Merde, j'ai allumé un russe. Fuck! Non, Rivo! Pourquoi non?
t'ai essayé de dire. Pourquoi tu Merci à l'enculé qui m'a team. En vrai, je suis fatigué, quoi, mec. Et je bosse demain. Bon. Bonne soirée, Rivo. Bonne soirée, bon, Evan. Y'a un mec là. Bonne soirée, tout le monde. C'est bon, dans le garage, non. C'est normal, la fumigène proche du point du premier banc qu'on a lu. C'est bon, je l'ai eu. Non, non, je peux lâcher, non. Mets-toi en faible, mets-toi en faible, mets-toi en faible. Le grand va ratisser le coin là. Mais tape pas, je rigolais. Oh, parce que allié sur le toit là, allié sur le toit. J'ai entendu PM, j'ai entendu. C'est toi qui viens de courir dans le champ juste avant de monter. Dans le bâtiment, je les ai vus. Ah, ils ont tiré vite, hein. J'ai vu une ombre bouger et bam. Alors, il y a un allié. J'ai vu un allié. Il y a un allié qui m'a tiré un coup en l'air pour pas vous faire repérer la troisième personne. Non, non, ça bloque pas les. Ça bloque pas. C'est moi qui m'a le fait. Sérieusement, c'est pour ça. Alors, ah bah oui, ok, d'accord, je comprends mieux. C'est pour ça. Je comprends mieux le cochon. Je hais ça. Et c'est my bad, j'ai pas pensé à ça. Il est parti, mon Nasso. Aucune idée. Sur radio. Nasso, non, il est sur TS, premier mètre. Regardez. Oh, je suis né. Et sur TS? Ouais, ouais, il est dans Task Force. Je le vois sur mon deuxième écran. Ouais, il est dans Task Force. Bon, je lui ai envoyé un petit message. Un mec sur le toit, un mec sur le toit, un mec sur le toit. Il va d'avoir un deuxième, non? Non, c'est bon, go. Visuel de l'autre. Je t'en vois. Je vais voir c'est qui. Nasso, est-ce que tu me reçois? Nasso. Je me mets en route. Ouais, mais Rousseau, t'es où? 55. Chauve, par 41. Rousseau, je suis tombé. T'es mort? Ok. Non, le mec sur le toit m'a eu, mais je suis à côté là. Cache-toi dans le bâtiment. Va suivre la route, mon saut. Monsieur. Prêche-moi. Tu me reçois, Nasso? Ah! Bien. Nasso, est-ce que tu as visu? Ah bah non, tu n'auras pas visu. Salin, attends deux secondes. Salin? Est-ce que en global, tu peux marquer un troisième point de respawn pour les deux groupes qui seraient un peu plus proches de la ville et à l'opposé de ceux qui sont déjà proches. Tu pointes sur carte, toi tu sais où sont les respawns, ok? Voilà, donc tu pointes sur carte, un point de respawn par groupe, Hop 4 et Blue 4, tu le mets sur carte comme ça Nasso va les mettre. Et ce point il devrait être plus proche de la ville que celui qui est déjà assez proche et de l'autre côté, ok? Par exemple, je vais te le mettre pour les Blue Fox, pour nous, ce que ça donnerait. Voilà, je t'ai fait un point ici, un truc un peu comme ça. Ouais, mais il est pas en global. Non, c'était pour toi, pour te montrer, il était en groupe. Voilà, c'est bon comme ça, Blue Fox. Ils ont tous défoncé, les barrettes là-bas, malheureusement. C'est bon, je suis installé, vous pouvez continuer à traverser côté là. Non, mais le. T'as qu'à mettre le port un peu plus au milieu, et pareil pour le Blue Fort. En okay. Position au milieu de la ville? Non, au milieu, au centre, par rapport au centre de la ville. Tu laisses au niveau de la latitude, de la longitude, pardon, mais tu augmentes la latitude. Voilà. Nickel. Tu voulais que j'envoie un message en global à Nasso? Non, je m'en occupe, je le dis. Donc,
je me rapproche avec mon sniper. Répète, donne roi. Les deux personnes qui courent dans le champ depuis le respawn, c'est qui? Négatif pour le grand. C'est moi, c'est le rigolo. Ok, bah j'arrive, je suis derrière vous. Fais gaffe, PM, dans la maison en construction en face de nous. C'est bon, on a battu un asthmatique. C'est bon, Orny, pour la maison. On peut se rabattre sur la ville. Le grand et le rigoleur en progression vers le dernier point bleu. Ah, je suis déjà dessus, ça là. Groupe Richemont, on arrive. Attention, coup de feu nord-ouest. Plein nord-ouest. Attention, il y a du monde à un seul point là. Ouais, ils le défendent à mort. Ah bah ils le tiennent ces animaux. Si vous mettez derrière vous. On arrive à faire un 3-0. On va arriver sur le... Vas-y, passez derrière moi, traverser, coller le mur en face. Proche de leur spawn. Quelqu'un ouvre l'angle direction sud-ouest. Puis sur le point mid bleu capturé. Je suis avec le PM, pardon. On est 5 avec le PM. Ok Richon, viens ici. Viens ici Richon, j'ai un visu. Richon, reviens au TT, j'ai un visu sur un ennemi là. Allié, c'est moi, c'est vrai. Au niveau de la place, y'a quelqu'un qui est à côté d'un bâtiment rose, bâtiment vitré, type magasin? Moi je suis sur la place, au milieu là. Ok Richon, tu vois la maison rose là? Je connais qu'à gauche, je connais qu'à gauche. Ok, juste à gauche, y'a un espèce de magasin, y'a un ennemi qui est rentré là-dedans. Contact ouest-ouest au niveau des murs. Richon, il est rentré dans la petite pièce, dans la petite par la porte, il est monté à l'étage. Tu l'as vu? Richon? Au principal de la place, il y a deux packs. Ah, fille, j'arrive. Quelle position exactement? Maison rose, ils maison viennent rose. Côté église, ils sont côté église. Dans la maison rose. Il y a rose, la maison qui est un peu rose. Non, ils ont traversé. Pour leur faire peur. Ils sont traversés, ils sont côté, côté église là. Oh, si, j'arrive côté église, moi par derrière. Salah, je suis au-dessus de toi. D'accord. Aussi.
rapidement, Nathan. Alors, respawn au pire, ça devrait être. Quartier d'attrichement. Attrichement, t'entends Rousseau? Je t'en prie, mon sang. Ils ont deux points là, ça va pas. Faudra défendre le point bleu, il reste 5 minutes. On va prendre le point central. Ok, ils sont côté sud. Son côté sud, comment dire, du de la place principale. Derrière le bâtiment côté sud. Ok, t'as plus d'indications sur le bâtiment, couleur, étage. Il y a une fumée blanche à. Ils sont derrière le bâtiment okay. Il y a la fumée blanche. Ok. Par contre je suis dans ce bâtiment là. T'es avec eux dans le bâtiment? Ils contrôlent tous les points, ils nous font nous massacrent. Ils sont énormément sur le pop, ils sont en escouade de 3 là, ils sont en train de push à 3. Peut-être. Je vais prendre le plus jeune. Ah, ils étaient dans le bâtiment côté sud. Bâtiment ah, je suis blanc. Avec toi, je suis tombé, je me suis relevé. J'en ai traité deux. Bah, ils étaient deux derrière la maison, puis j'en ai traité un là-bas aussi. Ok, très bien, mon soin. Allez, plus que 3 minutes, on tient tous les points. Donc apparemment ils sont plus que moi au centre. Vous êtes adossé à une maison? Ouais, je suis adossé à une maison, il y a deux mecs morts à côté de moi. Je vous vois, je vous ai en visu. Je boite hein. Je suis sur le plan d'une maison. Ils sont plus que nous deux après, ouais, sur le plan. Ouais, on a des. Ouais, 3 minutes. Quelle est votre position, premier maître? Je suis derrière l'église jaune. Je suis dans la maison. Ils sont blindés au sud du pont. Au sud du pont plus. De la place centrale. Point mid, il y a plein de monde au sud. Point mid, il y a plein de monde au sud. Merde, Charlie, de point 2, 4 là. Ah ouais, on a. Pas. Ok, moins 1 dans la maison blanche, un peu plus. Sur l'ouest. Là où il y a les fumées. Ok, il y en a encore un, il m'a tiré. Ah putain, il m'a mis mal le con. Là où il y a les fumées violettes. Manso, tu pourrais essayer de me retrouver? Je suis coin maison, coin sud-ouest de la passe centrale. J'en ai battu un, second, premier mètre, dans le bâtiment blanc, avec fenêtre bleue. À ouest. Négatif, je suis sur le point ici.
s'enchaîne beaucoup. Bah, je suis piqué de mini-mi en face, c'est bon. C'est là derrière toi. C'est bon, je l'ai eu, celle-là derrière toi. Toujours, mais c'est chaud. Ils vont bientôt avoir le point le plus au sud. Ils le point le plus au sud, ils vont l'attaquer bientôt. Ah, il est minuit. Ok, vers l'église blanc, jaune, pax traité. J'essaye de me soigner. Fini pour ce soir. Bonne soirée.